Et là, c'est professionnel. Là, qu'est-ce que je... Ah non, on voit le haut! Ah, ah non! C'est bon! Le haut du fond vert dégueulasse! Mais c'est presque pro! Et ouais, regarde ça! Il y a même... Attends, il y a même un truc qui apparaît là de temps en temps, regarde. Fantastique, regarde. Je peux lécher l'oiseau Twitter. Ça, c'est dégueulasse. Il peut tweeter hashtag MeToo. Le Lennon m'a fait des saloperies en stream. C'est honteux. J'ai toutes les preuves. Voilà. On a investi dans la YouTube monnaie. On s'est mis bien. On est installé. Et là, braves gens, il faut savoir que toute la population du stream de ce soir est arrivée sur Discord. Il y a Jill Kamet. Oh putain, Kameto. Kenny Stream, tiens, Mikalo, Solari, Squeezie, il me semble en avoir vu un de plus, mais ils sont là, ils sont sans le son. On va peut-être les rejoindre dans l'amour. Dans 7 ans, tu seras presque un vrai streamer. T'as vu, hein? T'as vu, hein? C'est la violence, hein? J'ai fait ce que j'ai pu. Pardon, excusez-moi, je vous vire ça. Merci. Je vous mets Cute Miko. Voilà, parce que Miko is cute, impeccable. La glace Miko est impeccable. Est-ce qu'on voit le Minecraft si je le mets? Oh! Ah non, le fond vert! Quand je fais ça, il réapparaît! Pourquoi? Est-ce que la webcam s'auto-re-règle elle-même? Excusez-moi, laissez-moi aller au fond de ce projet. Propriété. Alors oui, on voit plein de grains dégueulasses. Configurer la vidéo. Balance des blancs. Ah! C'est... Oui, je vois en quoi ça pourrait générer un problème. Je vois, je vois. Mise au point, exposition. Apparemment, c'est l'exposition qui posait problème. Ou pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on peut tenter de régler notre point vert un tout petit peu plus grâce au filtre? Incrustation par chrominance chroma. Ah! Monsieur Stark, je me sens pas très bien. Histoire de scintiller le moins possible. Ça marche, hein? Là, on est bien? À peu près. C'est acceptable. Bon, on voit encore le contour fond vert dégueulasse. On a l'impression d'être sur une télé bolivienne dans les années 80. C'est parce que le fond vert, il bouge. Ah bon? Pourquoi il bouge? Putain, t'as raison, il bouge. Pourquoi il bouge? Pourquoi il bouge, ce con? Excusez-moi. Ça mérite un examen approfondi. J'arrive, hein? Excusez-moi, tiens. Impeccable. Prenez-vous de l'interface. Et là, à quel point on est dégueulasse! À quel point on est dégueulasse! Bon, est-ce que c'est acceptable? Est-ce que c'est acceptable pour les gens du stream ce soir? Le boule du Lennon. Le Lennon va à la salle pour maintenir son boule. Eh oui, il a des équipements de gym et tout. Il a hop, hop, hop. Vous m'avez jamais vu en leggings. Dégueulasse. Quelle indignité. Quand tu recules, c'est bof. Alors pourquoi? Il y a un truc qui fait que la caméra, d'une manière ou d'une autre, compense. Et c'est un problème. Parce que du coup, j'ai aucune idée du pourquoi, du comment. Le focus, je recule pas du coup. Ouais, mais je me balance, donc il va y avoir forcément un, il va y avoir un effet automatique, j'ai envie de dire. En tout cas, on va activer
Le strip. Tu vas avec. Je crois qu'il n'y a plus. Max. La Max. Bonsoir à tous les gens. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'on est bon ce soir? Ouais, tout le monde est installé en fait. Comment ça va toi? Impeccable. Eh ben pépère, je suis. Regarde, le vieux boomer que je suis. Un setup professionnel. J'ai un fond vert qui marche et même pas il granule. Incroyable. C'est fou ça. Attends, c'est un serveur qu'on a déjà utilisé ou pas? Parce que je vois aucun actif. C'est bon, je baisse le son, vous voulez pas entendre mes potes, y a pas de problème, mais bon, c'est pas en majuscule, what the fuck. C'est des ouf. Hein. Eh ben, impeccable. Impeccable. Bon, soyez sincères, qui a lu PDF? Ouais, personne. Ah, attends, il était où le PDF? Moi, je l'ai lu, je suis un Attends, Kingstar, tu m'as donné le PDF? Il est dans InfoLive, t'as le channel? Ah bon? C'est juste dessus. Bien sûr, moi, je l'ai. D'accord, oui, bien sûr. Bonjour, pardon. Impeccable. Pardon, excusez-moi de m'aider. Non, mais pense bien. Pense bien. Moi j'ai mais vu qu'on. Pas jalir. Moi j'ai vu qu'on pouvait jouer des Gerudo et des ouais. Gerudo fic waifu. Moi ça m'intéresse. Les Gerudo bouti, c'est là. Il y a des trucs à installer. Ah, genre t'as des classes et tout. Ouais, c'est un truc de fou. En fait, c'est pas des classes, c'est des races. Ouais. Et apparemment, chaque race a son avantage. Genre un Zora, tu sais, comme dans Zelda si tu y as joué quoi. Les Zora, ils peuvent respirer sous l'eau et nager plus vite. Les Gorons, je crois que c'est plus résistant. Mais c'est marrant parce que je crois avoir lu que les Gorons c'est plus résistant, mais c'est tout. Et tu sais, ils sont affaiblis par l'eau, mais ils sont pas résistants au feu. Alors que les Gerudo sont résistants au feu, mais plus fort, mais ça fait pas de sens. Ouais, mais c'est pas grave. C'est vrai. J'imagine, sinon les Gorons seraient trop pétés, j'imagine. Si tu leur donnes toutes oui, les résistances, broken, ouais. C'est ça, ça se complètement broken. Mais du coup, le fait de se nourrir avec de la cobblestone aussi, c'est un peu craqué. Hein. Ah, ça a l'air broken as fuck aussi. Hein. Ah, j'avoue que c'est fort ça par contre. Ça, c'est vraiment, vraiment craqué. Mais hein. Gerudo, d'ailleurs, je pose la question. Gerudo a un fire resist. Mais dans Minecraft, ça, c'est trop longtemps que j'y ai joué si tu veux. Minecraft, le fire resist, il y a fire resist 1, 2, 3 et 4, mais je crois que c'est la durée. Fire resist, c'est fire resist. Tu peux te baigner dans la lave avec un fire resist level 1. Aucune idée. C'est ça en fait. Parce que si je vais aller tester. Parce que rigole, mais si tu peux te baigner dans la lave, les Gerudo sont. Non, mais évidemment, tout est pardonné. Tu pourras retourner à l'école demain. On dit oui. Ah putain, parce que dans ce cas-là, les Gerudo, ça peut se baigner dans la lave, c'est fort. Enfin, pour le minage et tout, je trouve ça fort. Et surtout pour l'autodéfense. Tu sais, tu peux bouler la lave. Il vient de casser le jeu de ce soir, on va tous jouer Gerudo. Non, parce que Gerudo, t'as un affaiblissement si t'es proche de l'eau. Donc, suffit qu'un connard se balade avec un seau d'eau et t'es cuqué, quoi. Qui fait ça? Qui se balade avec un seau d'eau? Tout le monde dans Minecraft PVP. Voilà, c'est... Fire Resistance, il n'y a qu'un seul niveau, non? Bah, ça disait sur le site Minecraft, il y en avait 4, mais je pense que c'est les potions. Tu sais, ouais, comment t'installes le texture pack? T'as le fire protection qui va jusqu'à 4, mais les potions, c'est un seul niveau. Pour installer un texture pack, tu ouvres Minecraft, solo, multijoueur, tout ça. Tu vas dans options. Ouais, mais okay. Il regarde pas le doc aussi. Non, mais t'inquiète. Non, dans mais arrête, hein. Dans options. Bon. Dans options, tout en bas à gauche, tu as pack de ressources, tu cliques dessus. Oh, j'ai même plus mes touches, tellement ça fait longtemps. Attends. Non, il y a eu un reset, Mika, de toutes les touches, moi aussi. Options. Ah, Salut. Hey, yo, salut. Ça va et vous? Eh ben, heureusement qu'on le lance, hein. Pécap. Salut, tout en bas à gauche, donc dans options, tu as pack de ressources. Okay. D'accord. Ok. Dans pack de ressources, tu as ouvrir le dossier des packs, ça va t'ouvrir un dossier Windows à la con. Voilà. Courage, attends, je te guide bah oui, dans le processus. Pack de ressources, ok, c'est bon. Pack, il peut le laser, c'est monté sur le pack disponible ou pack sélectionné. Ou voilà, sinon, ouvrir le dossier des packs. Ouvrir le dossier des packs, clique deux fois, une fois dessus, voilà. Ça devrait t'ouvrir un fichier Windows dégueulasse dont on se bat les couilles. Ouais. Super. Et dedans, tu fais glisser ce que tu as téléchargé. C'est-à-dire, tu as téléchargé le fameux lien USC machin. Ouais, asset machin. Là. Voilà, super. Tu le fais glisser, c'est un truc de 160 mégos ou un truc comme ça, je crois. Tu le fous dedans. Et une fois que c'est mis dedans, tu retournes dans le jeu. Tu reviens, c'est-à-dire tu fais terminer et tu rouvres ton pack de ressources dans les options. Tu sais, il faut le rafraîchir en fait. Alors attends, donc ok, là j'ai fermé, ok, là je l'ai mis, donc je fais terminer. Terminer, et là, puis tu rouvres pack de ressources, à l'ancienne. Ok. Et là, normalement, à ta gauche, t'as pack disponible UHC Zelda Zip ou un truc à la con. Je vais le refaire. T'inquiète, je vais le refaire. Ah merde. Pourtant, j'ai donné la bonne méthode, hein. Les gens, ils écoutent. T'étais bon, hein? Oh, t'es bon, t'es bon. T'es bon, c'est moi qui t'étais pas bon. En vrai, go, je fais un Fire là, en vrai, go. Moi, je suis ultra chaud. Je suis vraiment chaud pour. En contre, fais pas le malin parce que je vais sortir des babards, mec. Les quoi, les babards?
Ouais, j'ai juste répété ce que j'ai vu sur le stream de Coco. Ah, ça y est, j'ai fait. Mais c'est incompatible. Avec les chimères. Alors, oui, c'est pas bonne. Ouais, c'est pour ça. Mais t'as fait pas. Mets-le quand même. Mets-le quand même dans le pack de droite. Tu cliques sur la flèche voilà, pour mettre pack sélectionné. Tu le mets en haut aussi. Tu le mets au-dessus de défaut. D'accord. Messieurs. Sinon, défaut va super céder. Acheter des Zelda et ça servira à rien. Ok. Et il faut être sur la 1.8 plus. Après, si t'es sur la bonne version. Je me souviens plus comment on fait les items. Ah oui, attendez, c'est quelle version les enfants? 1.8 plus est écrit. 1.8.9. 1.8.9. Merde. Ouais. J'ai dit comment on lance le truc déjà en fait. Ça m'énerve, je vais péter les plombs, mais tranquille. C'est vrai qu'il y a un doc où il y a tout expliqué là. Non, mais il casse les couilles. Moi, quand je le lis, on se fout de ma gueule. Quand je lis pas, ça passe si tu veux. Ah, il y a du crafting, donc il y a quoi? Il y a la boussole à craft. Il y a que deux trucs à crafter. Oh nice. Il y a que deux trucs à crafter. Il y a la boussole et un autre item. Je vais mettre ça sur mon deuxième écran. Je crois que c'est les cœurs. C'est les cœurs pour ouvrir. Si t'es ilien, c'est-à-dire si t'es humain, basiquement, tu peux augmenter ta barre de vie max en mangeant des cœurs. Mais du coup, ah, mais j'avais théoriecraft les classes et tout avant. Je me souviens. Comment on fait pour lancer le pack? Clic droit. Non. T'as ton zip? Ok. Non, mais j'ai déjà mis dans le dossier. Bon. Eh ben, après, tu mets ta petite flèche, tu le mets au-dessus de défaut. 1,8 point combien ils ont dit? 0.9. 0.9, merci. Je suis un boomer total. Et après. T'es pas pire que moi, je vais te dire. Ah ouais, c'est bon, t'inquiète, c'est bon, j'ai compris. Ok, c'est bon. Et après. Il y a Kamel, vous inquiétez pas. T'avais pas joué toi d'un pas Bob? À Zelda UHC? Non, et tu sais bien que je suis pas hardcore moi en termes de joueur. Je suis plutôt pépère, pépouze si tu veux. Non mais franchement, je crois qu'on est ensemble, on va s'éclater en vrai. Ouais, j'espère, mais on va se faire défoncer surtout. Mais moi, tant qu'on arrive à trouver au moins, je sais pas, un le problème, c'est qu'Amel est trop chaud. Qui va mourir par un creeper? C'est la team de Gotha qui est la plus sérieuse. Après, en même temps, vous êtes tous des pro players. Alors, Gotha, Mikalo, Akichu, tous. Hunger Games. Ça se voit, tu m'as jamais vu sur Minecraft, toi. Si, je t'ai déjà vu. Vous avez fait un serveur, vous êtes le plus fort par les creepers de la game. Il a toujours pas fini son manoir. Je suis toujours. Ouais, j'ai pas fini mon manoir. Je suis tout le temps mort par des creepers. Tout le temps. Mais t'as pas pensé à mettre une barrière autour et des torches partout? Je crois épais, c'est. Non, le truc en haut, c'est ça? Bah, débilus. Bah ouais. Les mecs, ils rentrent et détruisent. Il est chaud sur Minecraft. Ils détruisent. Là, il fait le rigolo, mais c'est un des plus chauds. Ouais, mais en même temps, j'ai pas vos réflexes, si tu veux. Les aventures Minecraft de 300 épisodes. Bien sûr, mais le problème, c'est que je suis pas un battle royaler, si tu veux. Je peux m'en sortir contre des creepers et des zombies, mais face à des fuses. Fuses. Ouais, ça c'est quoi des fuses? C'est un joueur. C'est un truc de boomer. T'es trop jeune. Ne me focussez pas. Si vous me voyez courir, faites les bons. C'est un monstre, un camel. Par contre, j'ai vu s'entraîner tout à l'heure. Je m'en parlais de vie fraîche. C'est qui la meilleure team là à part celle de Gotha? La vôtre, je pense. Oui, bah oui. Bien sûr, mec. Après, team 3, c'est à mon avis, je sais pas, peut-être Keen. Bah, il y a Keenstar, je joue avec qui? DRG. Il est imbattable. Keenstar, il a perdu, hein, parce que visiblement, je suis avec lui. Ouais, mais Jill, il y a un nul par équipe, dis-toi, en gros. Il y a un nul par équipe, à peu près. Merde, attends, dans notre équipe d'Wagby, c'est qui le nul? Je pense que c'est moi, mec. Merde J'ai pas Gotha, c'est qui le nul? Non, parce que j'aurais bien pris le rôle du nul, si tu veux, avec mes réflexes vieillissants. Est-ce que Aki est réellement nul? Je suis pas sûr. Mais moi, je suis éclaté sur Minecraft, hein, vraiment. Ouais. Bah, la dernière fois, t'étais avec Broken et tout, donc je comprends. Mais je pense qu'avec un Mika Gotha, je pense que tu vas être plus à l'aise déjà. Par contre, c'est le nouveau PC, mais. Ouais, bah, mon mec, la dernière fois, il se faisait chasser par des poules. Oui, je m'en rappelle. Il se faisait chasser par des poules. La dernière fois, vous avez eu la pire soirée, je m'en rappelle. Kenny, viens dans l'autre channel, on parle strat un peu. Casse-toi, mais cassez-vous. Ah ouais, direct, ça parle strat, quoi. Putain. Mais non. Déjà, ils peuvent aller dans aucun autre channel ici, sache. Ah bah, viens sur TS alors, c'est bon. Voilà. Vous êtes archi pas les bienvenus ici, y'a aucun channel pour vous. Non. Eh, c'est Bifresh le dernier avec Kenny et Kamel. J'avoue, c'est une team solide, ça aussi, hein. Non, mais oui, ils ont des sales squads, hein. Y'a que Kelly qui a joué vite fait, Bifresh il a jamais joué, moi j'ai jamais joué. GTA, hein. Oui, Kamel, les aventures Minecraft, ça va. Salut à tous. Salut. Et hop. Hello. C'est le 13ème épisode de l'aventure de Kamel, hein. Dans Kamel sur Minecraft? Ouais. Ouais, bah je suis nul, j'ai l'heure, Gotha. Il croit que je suis fort.
Bah non, non, justement, j'étais en mode, mais putain, mais on a aucune chance ce soir en fait. Après, c'est vrai que la fois, j'avais battu toute la GCOM. Écoute, écoute, moi je pense qu'on se battra pour la deuxième place, hein. Ça c'est la gloire si tu veux. Ça c'est mon combat, ça. Mais ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est comme les championnats du monde dans DBZ, si tu veux. Nous, on participe, mais il y a Boubou à la fin, si tu veux. Donc on arrivera en seconde place et c'est ça le vrai titre en fait. Ça passe pas. Est-ce qu'on peut ? Ça passe pas, ça passe Attends, pas. Kin, c'est qui ton équipe ? DRG et Jill. Non. Ouais, pas mal aussi, hein. Drox PVP, hein. Attends, DRG, il est de Fortnite, il a... DRG, il s'appelle Drox PVP, attention. Ouais, non, les Fortnite sont des Minecraft. Non, parce qu'on n'a pas eu le droit à étoile, donc si c'est DRG, c'est étoile-like. Non, non, en vrai, je pense pas. Son petit fils. Comment ça, fils. Tu penses pas? T'es pas sûr? Tu vois? T'inquiète. Tu t'inquiète. Peux nous dire tout de suite, comme ça, on peut reporter la soirée. Moi je cache pas quand il m'a dit t'inquiète Mika, on a une cote sur AE là. En vrai go AE. Mais je vais te laver Kenny en fait sur AE. Nika pour le coup tu peux jouer à ça avec des gens mais Kenny bon, je pense vraiment pas. Vraie question, Age of Empires, je suis pas du tout le cercle mais vous jouez la version remasterisée celle sur Steam. Ouais la définitive ouais. C'est ça et dans la définitive il y a le 1 et le 2. Non, c'est que en fait, il y a la définitive édition du 1 et la définitive édition du 2. Ah, et vous jouez au 2, j'imagine. Il va y avoir la définitive édition du 3 aussi qui va sortir. Mais celle qui nous intéresse le plus, c'est ouais, celle bien, du 2. Ouais, bien meilleur. Sûr, parce que c'est celui qui a été le plus, bien sûr, c'est celui c'est qui a été le plus dosé. Aussi, évidemment, évidemment, ouais. Évidemment. C'est comme Street 2, si tu veux. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Exact. Street 3, j'ai pas aimé. Mais en vrai, c'était exactement le même pack la dernière fois, les gars. Ouais, c'est exactement le même. Moi, je l'ai pas téléchargé. Comment bah ouais. Ils vont ah, salut, ah bah t'es il est arrivé. Salut, salut. Il est arrivé. Je suis désolé. Presque en retard, Lucas. Je suis désolé. Aujourd'hui, c'est moi qui suis en retard. Et vous savez quoi? Je n'ai aucune excuse du tout. Ah merde, il revient même pas du Japon. Attends, pause. Pause. Comment ça, tu dis le... Cette fois-ci, ouais. C'est ma faute. Attends, j'ai mal compris. J'avoue, comme si les autres jeudis, c'était pas lui. Attends, les autres jeudis, c'est pas toi qui arrive en retard? Non. Oh, culot. Attends mais gros, je sais que Mika il a maigri, il est un peu BG mais c'est, enfin moi c'est Squeezie, je suis pas Mika là si jamais frérot. Quoi? Après, faut comprendre que Squeezie. Une vache. Alors le mec, il arrive en retard, il a pas d'excuses, il insulte les gros direct. Aucun respect. Pourquoi je félicite Mika? En vrai tu peux leur dire Squeezie, en fait il peut pas le dire parce que en gros c'est lui qui donnait le discours à Emmanuel Macron. Bon voilà les gars, j'étais le souffleur d'Emmanuel Macron pendant le discours. En fait, là, il a pas le droit de le dire. C'est pas loin, j'y suis allé tranquille. Bref, et d'ailleurs bien joué d'avoir fait fermer les écoles mec. Bien ouais. J'avoue. C'était pour le bis de streamer les gars. J'avoue. Macron il voulait pas au début. Il voulait pas. Je lui ai dit bah Gota tu vois là c'est genre 20 000 joueurs, ça va être 60. Il a dit ah vas-y allez. Ça. Moi je vois Squeezie, je vois le Squeezie dans le bureau à Macron avec un petit PowerPoint Webedia. Alors si tous les enfants restent chez eux jeudi soir, c'est Webedia qui m'a imposé ça en fait. Et tu sais le PowerPoint Windows 95 dégueulasse pour que ça parle à Macron si tu veux. Oh, putain, horrible. Non mais bien joué, beau travail. Donc ça du coup, trouve, on te pardonne. Ça se trouve il est sur ce live en ce moment même pour décompresser son discours. Et ben. Mais est-ce que j'ai un énorme melon? Bah j'ai bien l'impression que oui. Bon, UHZ, merci à tous d'être là. Vous non, êtes. Vous êtes 16. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il disait un truc. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi, Dog? Il disait qu'on était 16, mais apparemment. On est 15. Je compterai plus tard. Ah, d'accord, mais je suis. Mais en fait, chaud qu'il y a des mecs qui comptent à rebours les temps de parole. En fait, Lucas, ce qui te stresse, c'est le mot 16, en fait, j'ai l'impression. C'est ça, ça t'a trigger. Ouais. Non, mais c'est qu'on est 15. On est. Non, c'est pas ça qui m'a trigger. C'est que je me suis dit, attends, c'est mon live. Ça se trouve, je suis moins au courant que lui. Ça m'énerve. Mais non, on est bel et bien 15. Donc, il y a ce soir 5 équipes qui vont s'affronter sur le UHC Zelda qu'on avait déjà fait il y a. Putain, c'était il y a longtemps qu'on avait joué. Il y a beaucoup moins de classe qu'avant, non? On y vient. Tout d'abord, l'annonce des équipes. Tada, animation incroyable dans la VOD. En live, j'ai rien préparé, donc voilà, c'est terminé. Hein. Il y a clairement pas d'animation. Il a épuisé tout son temps pour faire le discours à Macron, donc il a rien eu le temps d'écrire ce soir. N'oubliez pas que si vous n'êtes pas en cours ou au travail lundi, c'est en partie grâce à Squeezie. Voilà. Bien sûr. Alors, non, mais en vrai, c'est horrible. Mais en vrai, j'avoue, on est l'un des rares métiers où ça aura aucun impact. Enfin, si je pense que notre monétisation. Très positif. Horrible. Mais les annonceurs. En fait, les annonceurs.
Ouais, non, les annonceurs ils vont rien annoncer du tout. Ils savent que les gens vont rien acheter donc ils vont. Ah, moi, bah, ouais. Ah oui, moi je sais que j'ai augmenté le prix de mes OPSP de 40%. Hein. J'ai dit oui, les enfants ils sont à la maison, c'est plus cher. Ah non, le CPM il a baissé du coup. Vraie question pour les comptables là. Alors pour de vrai, il a augmenté très légèrement. Il faut savoir qu'il est en contre-courant par rapport à la. C'est incroyable, le mec il connaît le cours du CPM. Mais je sais pas, est-ce que c'est pas tout le Fanta m'a pas légué ce que j'ai pour que je marche dessus si tu veux. Et est-ce que c'est pas juste les entreprises de masques, tu sais, des trucs d'hygiène qui ont investi genre 100 milliards de fois plus que d'habitude parce qu'elles savent que les gens sont sensibles parce qu'il y a le coronavirus. Oui et non, parce que c'est compliqué dans le sens où elles sont tous en rupture de stock et ils les vendent ultra cher parce que pour de vrai il y en a très moins et pour de vrai c'est les Chinois qui les faisaient et comme les Chinois ils ont fermé ou alors ils utilisent le stock pour eux. Ça rend l'exportation de ce genre de biens assez compliqué. J'en profite pour remercier mon partenaire Angel. Angel, c'est tout simplement un gel pour les mains antibactérien avec le code de... Non, je rigole, hein, c'est une blague, les gars. Le jeu de mots était cool. Non, parce qu'en fait, j'ai vraiment un truc dans la main qui s'appelle Angel. Moi, j'utilise de la vodka pure, que de la Smirnoff. Lavez-vous les mains. J'ai fait quelque chose d'assez fou, j'ai nettoyé mon téléphone avec des lingettes alcoolisées. Qui fait ça? Genre, vas-y, entre nous. Qui a déjà fait son téléphone? Non, Dwagby, tu dis de le faire toutes les semaines. Dwagby, tu dis qui fait ça? Clairement, quelqu'un qui écrit les discours à Macron. Ah ouais, non. Puis-je annoncer les équipes? Oui, vas-y, boss. Mais non, mais t'as dit qu'il y avait l'animation. Bah ouais. Ah non, mais ça c'est la VOD, là, le stream, il n'y a aucun travail. En fait, je laisse les monteurs tout faire. Moi, vraiment, je veux rien foutre. Voilà, c'est ça. Ah le mec! La team number 5, c'est Kinstar, DRG et Jill. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît, sur Discord. Oui. L'équipe Jill, numéro 4, alors peut-être un petit ressenti, Kingstar, Jill qui est chef d'équipe, je sais pas, on va dire Jill. C'est Kin, le chef d'équipe. Ok, Kin, ton petit ressenti pour ce soir en trois phrases, voilà pourquoi les gens devraient adhérer à ton équipe, c'est parti. C'est la première fois que je joue à un UFC. Mm-hmm. Jill, t'es mort. Voilà, bonne chance. Jill, t'es morte. Non. Wallplay dans le chat, ça t'acclame. Wallplay, courage à toi. On a la team 4, bien sûr, avec les champions. Bon, eux, ils vont péter les couilles. J'ai envie de les détruire, mais jamais. On est d'accord qu'il y a une team qui est... Il y a une team qui me saoule. Et voilà, Dwagby, Squeezie, Bob Lennon. Non, mais elle me saoule parce qu'on va avoir aucun plaisir. Ils vont nous détruire le jour 1. Mais oui. Alors, c'est la team, évidemment, de Goraga, Aguirre et Mikalo. Bon, j'applaudis par respect, mais vraiment... Alors, attendez, pause. Non, parce que là, ça va forcer un focus sur nous, etc. L'époque, on avait fait ça, effectivement, on jouait énormément au jeu. Ouais, il a géré ma strat. Mais oui, dans la manipulation. On y joue plus, donc... Oui, non, mais t'as des restes, moi, j'ai jamais joué. Tu vois, je pense que je vais arriver dans la table de craft et je saurais plus comment craft. Attendez, je peux dire quelque chose? Bon, j'ai l'impression que Gota, il est... Pas nous. J'aimerais, alors pas pendant live parce que j'ai rien préparé, hein, mais dans la VOD, un extrait de tous les moments de début de live où Gota a dit « Alors non, le focus, bon, en plus, moi, ça fait longtemps, alors bon. » À chaque fois, et quoi. Ensuite, immédiatement, le score de fin où les gens vraiment fin de place devant nous. Alors, peut-être, mais je tiens à prendre la défense de Gota parce que à chaque fois, on te sort l'argument. Alors oui, et t'as là, fait… 3, Terracine, Snapchat, et t'es déjà perdu. Vaincu. Je t'aime, Bob. Vaincu. Bob, mon plaisir, c'est de te couper. C'est vraiment, c'est très très drôle. Ah mais tu fais bien, oh là tu fais bien. En plus, j'ai un tout nouveau setup. On est prêt. Mais c'est de l'amour, hein. Mais du coup, hein. Bob, tu voulais nous dire quoi? J'entends pas un peu. Eh bien, que je voulais. Team numéro 2, on suit devant derrière. Kameto, Kenny et Be Fresh. Ah, ouais, faites du bruit. Ah bah ouais, bah moi j'applaudis pour les favoris actuels en fait de ce tournoi. Attention à cette équipe. Attendez, j'ai l'impression qu'il y a du vrai là dans ce qui vient de se passer. Mais en fait, c'est qu'en fait toi il y a des joueurs que tu connais pas, mais DRG dans l'équipe de Kin, il va être monstrueux. Hein. Quoi? C'est un ancien joueur Minecraft. Mais oui. Putain, il y a des fusions qui se font qu'on comprend pas si tu veux. Attendez, s'il vous plaît. DRG, voilà, bienvenue DRG. Il y a quand même deux questions qui se posent. La première, combien d'heures vous avez à votre actif sur le jeu vidéo Minecraft? 3005. La deuxième, faites-vous du contenu audiovisuel sur Minecraft? Non. Je suis pro Fortnite. Pourquoi c'est Dwagby qui s'allume? Ah, parce qu'il est chez moi, il est chez moi. Il est même pas sur le vocal là, hein. Tu parles à personne en fait. Genre, je t'envoie juste essayer de t'aider, tu vois. Il était là tout à l'heure. Ouais, mais je crois qu'il en avait marre de cette soirée. Mais 14, quoi. Il manque, effectivement, il est pas là. Non! Bah écoutez, c'est l'équipe de Kinstar qui passe à deux joueurs du coup. Attention à cette équipe les gars. Ça va être compliqué, hein, effectivement, pour cette équipe. Team Underdog.
les méga losers, aka les Trouducs, Bob Lennon, Dwagby et moi-même. Voilà. Ça, c'est bon, attends, 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 pause, pause, pause. De... Mais Bob, toi, ta carrière, elle a été de base sur Minecraft. Voilà, et tu vois, ouais, et tu vois, voilà, c'est exactement, ce que j'allais dire. Enfin, c'est exactement ce que j'allais dire en prenant la défense de Gotaga en disant oui, t'as joué au jeu, t'as des millions d'heures sur le jeu, tu maîtrises, t'as des relances, ça revient et tout. Sauf qu'en fait, non, pour de vrai, non. Moi, je pense que parmi vous tous, du Minecraft, j'en ai bouffé plus que vous. C'est juste que. Mais Gotaga, tu l'avais toute la journée dessus il y a 2 mois, ça suffit là. Voilà. Oh, deux mois, t'es dans l'exagération quand même. La prétention qu'on est fort parce qu'on a passé beaucoup de temps sur un truc, c'est faux. C'est faux. Voilà, faut. Ah, ça fait 2-4 mois. Mais non, mais arrête. Oh là là. Ah, aussi. Tiens, Mélissime, l'enculé. Bon, de toute façon. Lucas, je pense qu'on fait un focus sur l'équipe de Kamel, c'est la favorite ce soir. Non, en connaissant à peu près tout le monde. Moi, j'ai jamais joué, Lucas, à part au. Kamel, je l'ai vu dans son aventure, frère. Et tu es bon dans tout ce que tu entreprends, donc tu vas pas me la faire, je te préviens. Dwagby Squeezie, Dwagby Squeezie, j'ai un objectif simple ce soir, Dwagby Squeezie, on finit un donjon. Si on fait ça, moi, j'ai gagné ma soirée, si tu veux. Vas-y, dis. Un donjon pour obtenir. Alors, attends, mais attendez, vous me permettez de faire une transition merveilleuse. Ah bah là, vas-y, transite. Un acolyte. Mais incroyable. Du coup, Bob, peut-être que tu voulais nous dire un truc. Est-ce que je dois. Il continue de parler, tu sais, genre, tu le sens parler de sortir de son micro, mais il continue. Attendez, excusez-moi, dans l'oreillette, on me dit que DRG vient d'arriver. Tout d'abord, comment vas-tu, DRG? Oui, Rufa, désolé, j'ai un souci. Il y a aucun. Il y a eu. J'ai l'impression qu'il était au conseil de classe. Genre. DRG, parce que là il est vénère, DRG Squeezie, donc fais gaffe, réponds gentiment. DRG, ça va? Oui, ça va, ça va. Alors j'avais deux vraies questions à te poser parce que. Mais. C'est pas moi, je vous. C'est chez Kinstar, c'est chez Solari. Mort. Je balance Solari, c'est Solari qui fout la merde. Bah, Solari, ça a changé, qu'est-ce qui se passe là-haut? Bah, Kinstar, il se fait plus respecter là-bas, mec. Hein. T'as pas vu, mais. Attends, Kinstar, c'est plus le boss. Hein. Dis-leur de te filer un bon setup. Non, c'est fini, il peut plus. DRG, j'avais deux questions, DRG, parce qu'apparemment, ta réputation te précède et il paraît que tu es assez monstrueux. Est-ce que je me trompe? Non, pas à ce point-là. Si. Oh là. Ta réputation te précède et on m'a dit que t'étais d'une grande modestie en plus, qui plus est. Donc voilà, là, ça confirme tout ça. Donc du coup, vraie question, combien d'heures t'as joué les 12 derniers mois DRG? C'est parti, un chiffre comme ça à peu près, vite fait une fourchette. Tac tac. 50 heures. Non, attends, excusez, est-ce que je peux te couper? Il y a Étoile qui vient de dire dans mon chat, attends, mais par contre il y a DRG MDR. Voilà, même lui sait à quel point on se fait douiller là dans alors, ce système. Je vous explique un truc, c'est simple, je suis à deux doigts de faire une chose, c'est Votique. De créer une sixième équipe dans laquelle il n'y a que DRG. Je vous jure que je peux le faire. Je suis vraiment prêt à le faire si jamais c'est trop compliqué. Écoute, tu peux demander d'accord, à Étoile, je peux te dire exactement, mais je pense que DRG... Enfin, quand ils font des tournois, DRG. Mais au pire, faites intervenir Étoile dans le vocal qui nous explique. Étoile, ramène-toi, il va bosser pour nous. On en arrive au conseil de classe, s'il vous plaît. J'aimerais le verdict de Étoile. Voilà, attention, DRG, ce genre de choses. Attention, DRG. Ah, parce que nous, à un moment, parce que Mika était dans une équipe, tout ça, on a demandé est-ce qu'on peut jouer avec Étoile. On nous a fait ah non, absolument pas. Donc on a dit ok, pas de problème. En plus, vous vouliez Étoile dans votre équipe. Je cherche pas à comprendre, gros. Eux, c'est des ouf. Ah, mais Kamel, tu vas venir pour le fun. Non. Alors, j'ai une info du coup pour vous. C'est Chitos hein, qui est en train d'écrire en ce moment même dans un bloc-notes et il me dit oups, je savais pas que DRG était chaud. J'avais prévenu Kin, il m'a dit oh bah il y a le petit nouveau chez Solari. Ouais, quel mec. On va se trouver, gros. Parce que toi t'avais prévu ton coup. Il a fait oh, il y a le petit nouveau, blabla. Mais ça, genre, ça... allez, on le prend, c'est le petit nouveau. Mais pas du tout. C'est carrément, c'est j'aurais pire. Expérimenté, nouveau ou pas. C'est pire parce qu'en fait, il s'est même pas étonné que Jill soit pas ouf, il s'en foutait en fait. Il s'est dit, à mon avis, on fait la game à deux. Donc en fait, là, tu l'as grimpé de ouf. Dis-toi, Drag. Drag, dis-toi, de base, j'étais dans leur équipe. Hein. Ah ouais? Ah oui. Alors, il y a des gens. Attends, si jamais il y a Étoile qui peut. Il est dans ton Discord, c'est juste qu'il n'a pas les droits. Mais. Ok, ramenez attendez, étoile, je procède étoile. Au Schwitz. Waouh, Schwitz. Si tu procèdes à Auschwitz, on va arrêter les vannes ici tout de suite. Vous l'aurez compris. Attends, il est en train de perdre ses couilles là, Étoile. Il perd ses couilles, il est même pas arrivé. Je déteste quand il fait ça. Attends, il arrive. Il arrive. Il a juste dit qu'il était pas dans le. Je vais donc le Schwitz et pas le Schwitz. Il est. Je ne trouve pas Étoile. Il est là. Bonjour, bonjour, grand juge. Écoutez, je trouve ça totalement honteux ce qui est en train de se passer. Voilà. Non, en vrai,
Je sais non, que Derrière joue au jeu. S'il vous plaît, on coupe pas Étoile, s'il vous plaît. On écoute Étoile. J'ai deux questions pour DRG. DRG, est-ce que tu es un joueur UHC? J'en ai fait un peu, ouais. Mais je faisais pas. Définis un peu. Je faisais beaucoup du pot. Genre du pot. Serveur. Ouais, mais quel serveur? Koi, Belle Lyon. Non, mais gros. Bonne soirée à tous, les amis. J'espère que vous avec lui, tu le ramènes avec toi. Alors que moi, j'ai peut-être une chance de gagner. Il n'a jamais joué au jeu. Non, mais en vrai. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. Il y a une nouvelle qui vient de tomber. C'est que Étoile rejoint instantanément mon équipe à la place de toi. Non, non. Tu peux pas me séparer de Dwagby. Oui, c'est vrai. Dégueulasse. Honnête. Je suis allé un peu loin. Non mais en vrai, pour être honnête, vu que c'est un joueur qui de base a fait beaucoup de PVP, il risque d'être pas si insane que ça vu qu'il a pas beaucoup joué en UHC. Donc vous pouvez le laisser jouer et il ruinera jamais la game, honnêtement. C'est comme, en fait, quand il veut pas ruiner la game, il ruinera pas la game. Genre, même si moi j'ai beaucoup joué en UHC... Donc, un mec dont le travail c'est d'être champion de MMA, si tu le laisses en Hunger Game, il posera aucun problème à personne, d'accord? La grosse logique, je suis là. Étoile, le truc c'est qu'il y a des joueurs qui commence ou qui ne joue plus au jeu ou qui... Oui, genre moi, Bifresh. Non mais ouais, sur le cas du monde en vrai, non? Bah mec, Kamel, il est tellement fort, j'ai jamais vu merci, ça. Merci de remettre les choses à main. C'est vraiment un traître, ce mec. Étoile, c'est vraiment quelqu'un de vrai, quoi. Non mais en vrai, franchement, tout le monde peut jouer, je pense. Mais c'est juste que... Bah, tout le monde peut jouer, mais il y aura qu'un vainqueur. Hein. Ça va être Étoile. Sur ces belles paroles d'Étoile, on va procéder au vote kick, hein, bien évidemment. Donc, il y a plein de gens chez Solari qui peuvent jouer à sa place. Ils sont juste à côté. Les gars, on va faire un truc de toute façon pour que ce soit amusant. Je pense qu'on va faire une première game déjà pour prendre la température, du niveau entre les équipes et tout. Et si ensuite c'est vraiment déséquilibré, bah, on fera un rééquilibrage et tout. Et Gota sera sûrement dedans. Est-ce qu'on peut faire comme dans League of Legends, c'est-à-dire choisir et voter qui on élimine en face? J'adore j'adore ça. Je me nourris de ça, je te jure, ça me donne la force pour les Par contre, Gota, tu changes de team juste après cette game, hein, mais t'inquiète. Ça, c'est le tilt de ouf. Attends, là, c'est la game des chauves, c'est genre. C'est game de chauves, c'est les équipes que j'ai prévues. On passe rapidement aux règles 5 minutes et ensuite on lance la game, parce que sinon, on va faire que de parler, parce qu'il y a une bonne dynamique là entre les deux. Ouais, mais c'est bien de parler entre amis. alors, les règles, je le rappelle, ça commence. Le but, c'est de craft une boussole. Et cette boussole, elle indique 3 triangles de la Triforce, voilà, qui apparaissent aléatoirement sur la carte. La boussole, elle se craft comme suit. Vous avez un petit schéma qui s'affiche dans la VOD. Et pour le live, c'est ciao. Ah, attends, j'ai... Non, attendez, ouvre le doc. J'ai une vidéo explicative. Ah, encore mieux. Attends, je l'avais lancé comme ça. J'ai une vidéo explicative. Pour jamais, si pas mal d'entre vous avaient raté les premiers UHC Zelda. J'ai du mal à exprimer, vous serez dans la peau, je vais me reposer, je fais un petit test. Je la mets, vous avez toutes les infos à savoir dans cette vidéo, et puis ensuite on peut lancer immédiatement. Et n'oubliez pas, il y a le lien du doc dans le Discord, là les gars, pour ceux qui jouent. Si vous voulez avoir des infos en temps réel sur les classes, les bonus des objets, etc., vous pouvez piocher dans ce doc. C'est parti, vidéo explicative, à tout de suite. Sponsorisé par Orangina, vas-y. Waouh. Mais incroyable ton skin, Bibi. Chut, tu as mis bien. Il est trop lourd. Ah, il peut être sneaky. J'aurais bien aimé vous montrer la vidéo de Lucas. Ouais, quelqu'un a la vidéo. Elle est sur mon live. Je peux pas le taf, moi. Je sais pas pourquoi cette version marche pas. Je suis bloqué sur Minecraft pour toute la soirée là. Sérieux? T'as Alt Entrée? Oh, y'a Sasuke! Ça a donc marché le virus qu'on a envoyé avec Cheetos. Oh, incroyable. Alt Entrée marche pas pour. Tu peux me remettre la vidéo au début, s'il te plaît? Alors, mon gars, je te jure que quelqu'un va le clipper de l'envoyer, je te jure. Ah, laisse tomber alors, c'est pas grave. Par contre, attends, vous rappelez comment on joue, Mika et... Pourquoi t'es un paysan? Mais pourquoi quoi? Pourquoi t'es un paysan? Mais parce que, je sais pas, j'ai redémarré mon jeu, j'ai dû tout refaire et tout, et j'avais plus mon skin. Mais t'es moche. Ah. Alors, est-ce que dans le launcher Minecraft, vous avez pris la version maigre de votre skin afin de moins apparaître dans le viseur d'ennemi? Hein? Quoi? Je déconne pas! Non, faites pas ça, laissez celui de base. Il dit ça, Squeezie, mais il a complètement pris ça! Nous sommes de retour à l'antenne, hein, évidemment. Voilà, cette vidéo a été lancée. Je n'avais pas le son de la vidéo, je sais plus comment ça marche le UHC, mais c'est pas grave, on a le doc sous les yeux. Souvenez-vous, il y a des classes qui ont des. Donc, ça, c'est assez important, vous allez choisir une classe au début de la game. Chaque classe a un bonus, en gros, ok? Plus ou moins de coups selon le type de jeu, ok? Ensuite, vous avez 4 temples.
qui sont situés 5 temples, pardon, qui sont situés à 5 coins de la map. Vous avez les coordonnées et dans chacun de ces temples vous avez des objets à récupérer. Et qui, putain, mais c'est qui fait de l'écho? C'est Kingstar, non? J'ai l'impression que Solari lui ne veut pas lui donner un setup contre map. Je vous jure, c'est pas moi, je suis en activation constante, mais je coupe le c'est micro. C'est qui l'enculé qui fait ça? Pourquoi on est en train de se faire aggro dans le lobby là? Lucas, nous! Bon, on se fait aggro dans le lobby? On se fait. Spartiate, défendez-vous! Je sais plus comment ils s'appellent ces monstres dans Zelda, mais effectivement, il y en a partout. Parce que c'était la nuit en fait. Y'a un mec qui brûle là! Y'a un mec qui brûle! Les gars, est-ce que je peux avoir votre attention encore 2 minutes après? Ouais, je peux, mais on est en train de se goumer là. Alors, il y a donc 4 temples aux 4 coins de la map, vous l'avez vu avec des objets dedans. Faites assez attention à ça parce que vous allez probablement avoir besoin d'un ou deux objets pour pouvoir finir parce qu'ils donnent vraiment un avantage abusé. Genre l'arc, je sais que l'arc il est fumé de ouf. Mais c'est dingue. Les gars, faut être concentré. Ben, ouais, c'est pas moi pour une fois, Lucas, c'est pas moi. Ouais, donc ouais, donc l'arc il donne l'avantage après. Mais non, mais pas. Pas l'arc qui donne l'avantage. Attends, en fait je lis le Google Doc en même temps, t'inquiète. L'arc a été nerf apparemment, donc il est moins puissant qu'avant. Souvenez-vous, avant, ouais, il était fumé de ouf. Ah ouais, il était fumé de ouf. Mais non, c'est à chaque fois l'équipe qui l'avait qui gagnait, mais non. Je vois pas de quoi tu parles, mec. J'ai l'impression que tu fais semblant d'être surpris. C'est moi ou vous? Bon, attendez, est-ce que je finis le résumé? Il y a 4 grands donjons qui se trouvent dans les 4 coins de la map. Chacun de ces donjons se trouve à l'intérieur de ce donjon un objet légendaire. La Master Sword, la grosse épée de Zelda, enfin de Link, la tunique du héros, la tunique à bonnet vert, les bottes de Pégase et l'arc de lumière, qui sont respectivement une grosse attaque, une grosse défense, une grosse vitesse et un gros arc. Voilà, si t'arrives à obtenir ça, tu peux poutrer les autres et avoir une meilleure chance de crafter ta boussole pour trouver les 3 pièces de la Triforce. Ah, c'est plus clair quand c'est toi, Bob. Merci, ouais, quand c'est toi, c'est beaucoup mieux, c'est incroyable. C'est parce que je suis vieux, cassez pas les couilles. Non, la boussole, tu vas la crafter en 2 secondes au début de la game. T'auras juste plus de chances de mieux péter le cul des joueurs que tu vas croiser et qu'on récupérait la Triforce. Souvenez-vous, la boussole indique du coup la position de chaque Triforce, y compris si un joueur l'a sur lui. Donc genre il a la position du joueur en temps réel. Voilà. Par contre, ça indique la Triforce qui est la plus proche, le morceau de Triforce qui est le plus proche. Non, tu peux choisir les 3. Tu peux choisir? Ah, je savais pas, d'accord, voilà, ok, c'est fumé. Voilà, il dit que des fausses infos. Ah ouais, bien sûr, intox. Préférez quand c'était Lucas. Que suis-je face aux porte-parole de Macron? Voilà. Êtes-vous... C'est vrai, cela est vrai. Attention, j'ai été souffleur pour lui lors de son discours tout à l'heure. D'ailleurs, si vos audiences Twitch doublent, c'est parce que j'ai dit à Macron, on les écoles fermes. Bref. Tant que tu Est-ce que tout le monde pas, est prêt? Est-ce que tout le monde est prêt pour le début? Non, je viens de voir qu'il faut refaire les touches, what the fuck. T'es mort. Mais je l'ai pour 2 secondes. Toi, t'es mort. On est team quelle couleur? Alors. Je... Oh non, j'atterris dans l'eau. On va choisir. Nous on prend les rouges, nous. Ouais. Nous on prend quoi? On c'est va prendre du Discord, non? On prend les turquoises, nous. Ouais, c'est pas les couleurs sur le Discord là? C'est pas les couleurs sur le Discord normalement? Non. Tu prends l'objet que t'as dans ta. Ah, plaît-il. Excusez-moi, je suis en train de. On a pas lu. On est rouge. Alors moi, du coup, je suis quoi? Je suis daltonien, c'est bon pour vous? Est-ce que quelqu'un peut me dire ma couleur? Moi, je peux dire, ouais. C'est bleu, turquoise. Ouais, c'est plus stylon. Que turquoise. Tu veux dire, on est bleu nous, Squeeze. Le chiant. C'est le. Il y a pas de bleu, il y a rouge, orange. Quatrième. Mais non, mais vous avez. Cyan, ouais, c'est cyan. Bah cyan, c'est bleu, cyan, c'est bleu. Ouais, cyan. Mais non, il y a déjà Kameto et tout dedans qui vous volé. Ah non, mais c'est parce que on savait pas qu'il y avait un truc de base. Ah ok, bah vous avez l'orange, vous avez l'orange. Kameto, vous êtes orange, ouais. Vas-y, tu vois Doggy avec quoi. Quoi? Il s'est fait virer de sa couleur. Dégoûté. Le mec il meurt de rire là, je sais pas pourquoi. Tu pleures pas, on te met dans la team rose, tu respectes. Voilà. Les gars, il manque donc la team Kingstar dans la truc vert, il manque la team Gotha dans la truc rose. Moi je suis rouge, on est rouge. Et il manque la team Terra, enfin y'a que Terra quoi, genre c'est pas de son pas là. Ouais. Comment ça fait que t'es seul Terra? Ah c'est la team Cassos, c'est nous, allez. En vrai Terra, j'essaie de t'envoyer des messages depuis tout à l'heure. Ah pardon. Il manque juste du coup la team jaune qu'on attend encore malgré ses rires abondants. Alors Snaptrox, je dois dire que j'adore ton skin, il rend super bien. C'est mignon. Je vais prendre un
Ouais, de ouf, il est trop bien. Snap Trump, c'était une voix de mec qui va nous défoncer dans le jeu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que. Il est pas fort. Il est hyper fatigué. Voilà. Je suis en pyjama. Ah bah, on lui a dit que l'école était fermée, c'est direct pyjama, chaussons le mec, il réfléchit pas. Il est discouragé depuis 15 ans, hein, mais bon. Alors, moi j'ai juste pas le son du jeu. Ce qui est plutôt chiant. Alors mon cher ami Theotoons ne peut pas se connecter au serveur. Voilà, j'espère que cet événement se passera correctement et que tout le monde est content d'avoir invité la. Non, ça m'a fait ça aussi, mais faut qu'il rejoigne le serveur, enfin faut qu'il remette l'IP. Ça m'a fait ça tout à l'heure, j'avais le même problème. Ah oui, l'IP a changé. Ouais, ça m'a fait ça donc. J'ai pas de son du jeu, j'ai pas de son du jeu, mais plus Minecraft, c'est pas très grave, Louis. Bah on attend toujours juste la team de Terra, hein, je peux pas vous dire mieux. Oui, je suis à deux doigts de mettre une pénalité de départ, mais bon, je vais voir. Je vais voir ce que je fais. C'est une question de temps. Mais là, ça frise ou pas? Allo Déo? Ouais, tu nous reçois? Et Terra, hein, qui est toujours très seul hein, dans cette équipe jaune. Déo, alors. Oh là, Louis il a mis mon Elgato à l'envers. C'est de la folie. C'est horrible. L'image est à l'envers, Louis, si jamais. Comment on fait pour se mettre en 1080? Ah d'accord, Déo n'est plus du tout sur ce Discord. Très bien. Mais bah attends, mais pourquoi Gilles ressemble à Vegeta, wesh? Parce que je suis Vegeta. Genre, t'as jamais joué au jeu, toi? Moi, je ressemble à quoi? Non, mais c'était pour la Zedlan. Je voulais faire un. Regarde pas, toi, je dans le miroir. Toi, regarde pas, tu ressembles à quoi? Bah, t'étais comme moi, tu ressembles. Non, j'étais. Fais 2x5, tu vas voir. Oh non, ah ouais, non, c'est. Oh non, j'étais en mode, s'il vous plaît, ne me dites pas que je suis comme Aki. Je voulais tous les autres. Même Kenny, il est bien dans le Zelda, là. C'est vrai que Doc, tu lui ressembles un peu au skin de base, je crois. Archipas. Putain, Mexican Minecraft, tu te rends compte, c'est de ma faute, ça. Franchement, Doc. Désolé de te dire ça, mais. J'ai pas les yeux bleus. Ah putain, regardez, y'a un creeper! De toute façon, il ressemble à un cube. Je ressemble pas à un cube, laisse-moi tranquille. Putain, y'a un creeper sur la tour là. On est en Terra. Je vois que Déo est sur un autre Discord en train de faire un live. Ouais. Il a fait une mission, les gars. Le setup. Moi, je vais viser. Les gars, on a des. Ça te fait si rire que ça, ouais, je t'ai abusé. J'aimerais trop rigoler pour ça, c'est abusé. Non, en vrai, Kamet, c'est que je le paye en fait tous les jeux. Ah, ok, je comprenais pas. C'est le leader de rire et rigole, puis si j'en suis pas. Oh là, les wagons derrière là! Je reviens, on ne bouge pas. Quel chien. Ah, si c'est payé. C'est tellement d'amour là. Quel chien, putain. C'est bon, ça arrive. Ah là, Terra, ils sont maintenant deux, il en manque plus que un, et c'est parti. Alors, merci en tout cas, j'en profite pour envoyer un message de paix avant que vous me explosiez la gueule dans le jeu. Merci d'être venu tout ce soir, c'est trop cool de pouvoir faire des lives à autant de gens. Et surtout c'est marrant ce principe de faire chacun une team et de se mettre sur la gueule, je trouve ça très amusant. Voilà, merci beaucoup d'avoir accepté les gens. C'est super. Après je balance, merci à toi qui voulais qu'on reste sur Code. Bien sûr, c'est balance. Je suis pas. Moi je pense que c'est il voulait lancer une game. Il voulait lancer une game, on a fait top 1, il a fait bien, on en fait une dernière. En gros, il est 21h16, on aurait pu en lancer deux déjà. Donc déjà, moi je trouve que c'est un super équilibre de faire des équipes de 3 comme ça ou autre. Ça augmentera vachement la visibilité et la lisibilité alors qu'on est 15 quoi, ou 16. Tu disais 16 ou 15, je sais plus. Mais, 15. On est 15. Terra disait 16 par contre. On peut retourner sur ce débat. On peut rajouter un joueur si vous avez un problème. Oh, allez, étoile, qui revient tout de suite dans l'équipe 1 et comme ça on est 16. Si vous êtes chaud. On est la rouge, on est la première, c'est bon. Ouais. Non, l'équipe 1 dans le doc c'est. En gros, je crois que j'ai pas été whitelist parce qu'en fait ça me dit fail to verify username. Ah ouais, t'as pas été whitelist. Ah, ça bah, c'est 100% whitelist, la whitelist. Je comprenais pas. Ah, Bifresh, t'as un vrai skin de ninja là. Bibi là il est discret mais parle plus fort, mais tu nous fais honte. Ouais, je te jure, dans ce il est Bibi. Il est lâché. Alors que d'habitude sur ton live il hurle, c'est le gars. Là ici il va faire le petit timide. Ah, je sais, je vais relancer Minecraft, c'est pour ça que j'avais pas de temps, je pense plutôt. Vraiment les gars là? Quoi? Léo, ouais. Pseudo, c'est quoi? Ben,
c'est soit des hotels, soit des hotels. Quel enfer! Quel enfer, quel régal! C'est bien, T-E-O-T-O-O-S-S. Oui! Tout attaché! Oui, tout attaché! Mais Chitos me dit qu'il est à whitelist! Et ben alors, peut-être que c'est l'autre pseudo qui a pas été changé, je sais pas! Yannick, je lui ai aussi donné! En tout cas, belle team Terra ce soir. Oui, écoutez, je vais chacun des problèmes. Un coup de talent handicapé, quoi. Oh, yo, oh là là. J'avoue qu'on aurait pu faire beaucoup des games de code là. C'est vrai que j'ai mon interface qui mange la barre de Minecraft. Je suis désolé. Oh, mais be fresh. Oui, parce que sinon le serveur il serait pas dispo. Si pas qu'est-ce que tu fais C'est la. Ça a changé l'IP. Non, non, mais il a raison. Si le serveur est dispo, c'est qu'il a la bonne IP. Mais oui, 15 sur 100 Kameto, c'est bon, il y a tout. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est ça. Bon bah, moi j'ai. Quoi, il y a quoi? Je suis prêt à lancer des goûts et tout ça. Non, je faisais la liste des personnes qui avaient okay, ouais, je suis là moi. Je rêve que ça devient la nuit dans le jeu vidéo là. J'ai pas insulté ta daronne, t'inquiète pas. Mec, c'est tellement long qu'il j'ai cru en fait. Squeezie ? Oui. Tu as un Cheeto sous la main là ? Oui, j'ai toujours un Cheeto sous la main là, je dis ça. Tu peux nous déplacer dans un channel genre avec Deo pour qu'on règle le truc vite fait ? Vas-y, je peux peut-être le faire moi-même, très genre bien, dans votre channel par exemple. Kenny, notre amour était impossible. Oh bien, bravo. Chito, si tu peux rejoindre Terra dans le... Ouais, c'est bon, il est là. Belle synchro. Après, vous inquiétez pas, ça fait qu'une heure 15 qu'on devait jouer. Ouais, mais tu sais, tu connais, on met en place, on fait monter un peu la sauce. Ah, d'accord. Tu connais. Trop bien. Ah, mais c'est incroyable ce truc. 3-6. Croyez-moi, une game, les gars, vous allez voir, vous allez tryhard instantanément. Genre, ça va commencer, vous allez être dans le tryhard. Ah ouais? C'est pour ça que là, on rigole beaucoup. Hein, ah ouais? Kota qui dit ah ouais? Oh. Oh, terrible. Ce qui me paraît le plus compliqué, moi, c'est l'obtention. Hein, c'est l'obtention. Un avis, du coup, sur le mode Battle Royale de Call of, j'ai pas testé encore, s'il vous plaît, rapidement. Mec, tu vas devenir accro si tu testes, no joke. Ouais. Ah ouais, il est bien petit, non? Il est déjà accro à League of Legends, hier à 1h du mat, il était encore dessus. Arrête de battre, en fait. Tout le monde a l'air de dire que le mode Battle Royale de Call of il est ouf, mais j'ai une question très con. Hein, c'est le mode solo, il est sympa ou pas pour quelqu'un qui est pas. Ouais, le mode solo de Call of Duty Modern Warfare, ouais, il est vraiment bien. Voilà, c'est pour savoir. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un bien. On est d'accord, ils ont mis le paquet à mort sur ce code. Ouais, ouais. C'est genre, ils ont tout donné là. Et du coup, le nom de ce Call of Duty, enfin les détails, c'est Call of Duty Modern Warfare. Modern Warfare. Attention, il y a deux comme ça. Ouais, d'accord, c'est pas celui de 2004. C'est comme le 4. Ouais, c'est ça. C'est comme celui de 4 en gros. Ok. Enfin, c'était pas. Et là, c'est Warzone et c'est gratuit. Et franchement, le Battle Royale est vraiment giga lourd. Ça a l'air cool. C'est bien opti et tout, ça touche bien. Parce que moi, tu sais, j'ai une grosse taille de joueurs pro. Parce que tu vas vraiment retrouver de la sensation. Tu rigoles, mais Call of Duty, c'est 90% du PVP si tu veux. Mais les solos, j'ai trop trouvé les histoires sympas. Ça a toujours été bien foutu. Décidé d'être chiant aujourd'hui. t'es génial dans ton rôle de mec qui se plaint, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il est chiant, putain, il réussit vraiment bien. Un régal. Et non pas un Rengar, hein, c'est un personnage de League of Legends. Alors Terra, est-ce qu'il est là ou pas en fait? Il manque qui? Il manque encore des... Ok. Je suis à deux doigts de lancer une game à deux le temps qu'il résolve le problème, sachant que ça peut être très rapide. Ouais, mais ça peut être très long aussi, non, pas cool. Alors, pas cool. Ah, putain, ça mène quelque part. C'est quoi la touche pour voir les coordonnées déjà? F3. Bien vu! Celui t'as pas pris ta team. Si, j'ai pris ma team. F3, hop, putain, effectivement, il y a les créateurs de la map, super. Alors, lisez le doc en attendant, les gens, comme ça, au moins, vous êtes au point dans la game et à la fin, vous avez pas d'excuses. Genre, ah, mais en fait, j'avais pas que machin. Ouais, comme ça, Dwagby, viens et on lit le doc, on décide. Je vous conseille vraiment de faire le masque contre 64 rubis et 7 chair pourrie. Là. C'est bien parce que du coup, ça rend passif tous les monstres hostiles et dans les donjons. Croyez-moi, genre c'est ah, ça marche jusqu'en des donjons. Ouais, du coup tu rentres dans le donjon et aucun mob t'aggro. Voilà, je le dis comme ça, vous savez. Y a pas de difficulté, il a changé par rapport à toi. T'as dit quoi, Lucas, pour les donjons? J'ai dit, si tu fabriques le masque que Ganondorf te file, enfin si tu l'achètes contre les rubis et les rotten flèches, c'est trop pratique pour faire des donjons. Du coup, les mobs ils t'attaquent plus et ça te met un avantage de malade, genre. Après, il y a c'est assez profond comme jeu. Il y a plein de strats, comme par exemple jouer un Kokiri avec plein de cœurs et choper l'épée de Garaim. Ce qui fait que du coup, tous tes potes, qui forcément eux ne gagnent pas plus de cœurs avec les cœurs, gagnent plus de cœurs en fait. C'est assez fou. C'est assez intéressant.
suivi ça moi. C'est des chairs putrides, tu sais, quand tu tues des zombies et tout. Des zombards, ah, okay. Ouais, des zombards, okay. Zombards. Ouais. Oh, okay. Moi j'ai très envie, j'hésite entre jouer un Goron ou un Gerudo si tu veux. Mais Goron, c'est garanti. Okay, les rubis, tu les as en éclair, non? Ça va? Ça marche. Ouais. Alors. C'est bon, regardez, il est connecté. Nice! Félicitations. Il fallait que je fasse une déco reco si ça intéresse quelqu'un. Non, en fait, il avait craqué Minecraft. Il s'en est pas rendu compte. C'est faux. Est-ce que. Alors, dès que Déo est là, on est bon. J'attends juste que tu rejoignes l'équipe jaune à l'aide de l'objet que tu as dans ta barre, Déo. Et puis ensuite, on peut lancer à 21h22. Ok. ouais, mais les écoles sont fermées, donc on s'en bat les couilles. Voilà, on est bien aussi, quelque part. Ouais, on va live jusqu'à pas d'heure, de toute façon. Non, pas moi, car demain je me lève très tôt. Oh là là, le mec il fait croire il a du travail. Oh là là. Ah, j'ai bien l'impression que j'en ai. Oh là là. Crédible. Et dans le chat, je vois des messages qui disent déjà bonne chance au monteur. Merci. J'avoue que ça va être un enfer. Quel enfer. Tu vas devoir retrouver l'intro là-dedans. Bon, Jelly et Ned, on vous fait des énormes bisous. Vous allez être bons, les gars. Vous en faites pas. On croit en vous. Chat. Alors, je crois qu'on peut lancer. Tout le monde est là. C'est on parti, est là Louitos. Et on est 16. Bon. Allez dans vos channels respectifs. Bonne attends, game à tous. T'as pas choisi ton équipe, toi aussi. Et Chitos, sois avec moi, s'il te plaît. Allez, j'y vais à tout le monde. Ouais, Chitos, sois avec moi. Allez hop, je me suis enfui. Et on attend les gens représentatifs. Et là, il y a Squeeze. Je vais swapper Dwight parce que je crois qu'il va pas. Voilà. Ah, okay. Ok, vous êtes là, les gars. Eh, les gars, on tryhard, on est bon, hein, on donne tout. Hein. Vas-y. Du coup, est-ce que t'as une stratégie de la race déjà? Attends, on est où là? Il y a un bug, non? Moi, je suis dans les airs là, ouais. Et puis, on n'est pas censé choisir nos races avant? Il se passe pas un truc. Attends. Mais les gars, on est les seuls à. On est bloqués, non? Moi, je suis dans les. Alors, des Keblo et Dwagby est en train de mourir. Dwag, t'as un blème de non, co. Non, c'est bon, j'étais en train en altab. Okay. Parce que je voulais mettre le doc là. Non, mais là on est bloqué, ouais. On est. Attends. On est 100% Keblo. Hein. Ah, vas-y, on a gagné, je crois. Non, on a gagné, je crois que c'est une victoire. Oh, non ah, oh putain, on est arrivé en retard, la haine. Bon, ok, vous êtes où? Ok. Stachius, mettez votre. Les gars, il y a des joueurs juste à côté. Si on va les buter, les gars, c'est incroyable. Mais on n'a pas les armes, on a une hache. Vas-y, mais go miner, go faire du bois là, vas-y, on peut les attaquer. Mais on prend pas une race? Vous prenez pas de race d'abord? Si, il faut. T'as raison, on a que 20 secondes, putain, t'as raison. C'est où les races? Donc, moi de non. Mémoire. Comment on fait? T'as Ilienne, Goron, Zora, Sheka, Gerudo, Piaf ou Kokiri. Vas-y, Zora, c'était bien, je crois que je courais vite avec Zora, non? C'est pas elle? Ils peuvent également tester le FIFA. Vas-y, j'ai pris Zora. J'ai fait slash Goron, ça marche pas, attends. Slash Uz. Slash Uz, UZ, slash UZ, vas-y, espace moi, Goron. Moi je prends Kokiri, vas-y. Vas-y. On choisit Goron, ouais, c'est bon ça. C'est quoi slash UZ, slash espace UZ, Kokiri. Espace Kokiri. Ok, très okay. Bien. Ok, c'est bon, les gars, faut vite faire des armes parce qu'il y a des joueurs vraiment collés okay. À nous. Genre zéro blague, hein. Bob, est-ce que t'es ok pour être genre le constructeur officiel de l'équipe? Je veux bien, je suis en train de crafter déjà des armes, des épées en bois, c'est pas grand chose, mais on y travaille. Arbres entiers juste en tapant la base, c'est ma race qui fait ça. Putain, c'est ouf! Donc, genre, j'ai beaucoup de bois pour toi si tu okay, veux. Ok, j'ai une épée pour tout le monde. Vas-y, on va aggro direct ou pas? Vous êtes attends, où, monsieur. Putain? Vous êtes où? Je vous ai perdu. Là, t'es là. Je suis là. Voilà ton épée. C'est important les rubis? Pourquoi? Oui, prends tout! Regardez, rubis qu'il y a là! Oh la vache! Non, mais prends! Arrête! Et toutes les herbes font des rubis, les gars! Toutes les herbes font des rubis! Bah ouais, mais c'est pas trop bien! Ah bah comment, oui, bah c'est celle-là! Comment tu drops? C'est Q ou A, il doit y avoir un bouton là-dessus, t'as dû le régler! Non, j'ai pas. C'est pas important! Dwagby, prends cette épée! Voilà, t'as une épée, t'es équipé maintenant! Je suis équipé! Très bien, on a des rubis. Ah, c'est eux, ok, c'est eux. Tiens, j'ai du bois, tiens. Bob, c'est pour toi, je t'aime. Tiens, vas-y, drop. J'ai vu, ok. Donc, ouais, on a ça. Donc, on n'a pas besoin de crafter plus de choses. On a une épée, c'est tout ce qu'on a pour l'instant et c'est tout ce qu'on aura. Il nous faut de la pierre ou. Il faut qu'on aille. Là, il va falloir qu'on s'enfonce pour aller choper les matériaux. Attends, pour faire la boussole. Tu l'as mis où mon épée? Je l'ai pas eu. Tiens, je t'enfile du bois. Ouais, on a. J'ai le bois qu'il faut et j'ai une épée. Tiens, voilà une épée. Dogby, tiens, voilà ton épée, regarde, je drop. Voilà, ouais, ça n'hésite pas, moi dès que c'est. Est-ce que vous êtes chaud, on commence à creuser? Oui, il faut creuser, allons-y. J'ai pas de pelle, on va créer une pelle. Il nous faut du coup le matériau, j'ai le screen, je crois que c'est un lingot d'or, un truc de redstone, un charbon, 4 lingots de fer. Alors, viens à la base de la montagne en sable là-bas, creuser ira plus vite. Merci. T'es où?
Ah oui, ok, bien joué. Regarde, parce que là, tu vois, il y a déjà une caverne. Hey, là, je suis content de jouer avec un gars qui a fait carrière sur Minecraft. Mais non, mais enculé, je disais juste avant que tu me coupes, l'argument justement marche pas. L'argument marche pas, putain. Alors voilà des pelles. J'ai une pelle. Putain, j'arrive pas à produire ça assez vite. L'idée, les gars, c'est qu'on fait la boussole et on va dire, limite, on peut aller dans un temple. Ouais, non, non. Attends, j'ai une strat, les gars. J'ai une strat. Avant même de faire la boussole, on nique. Ouais. On construit le masque qui fait que les monstres t'agressent plus. Et on va dans l'un des temples où il y a un objet légendaire. Et on essaie de choper un objet légendaire. Absolument, direct. Mais on va commencer à creuser déjà parce qu'il nous on faut du matériel. On s'en bat les coups de la boussole pour le moment. Il nous faut juste de la chair putride, let's go. Et eh ben viens, il faut aller dans un endroit où il y a des ténèbres. Et pour aller dans un endroit où il y a des ténèbres, il faut aller sous terre. Ouais, je suis. Dès qu'on va avoir de la chair putride, les gars, on va voilà des pelles creusées, minées. Voilà des pelles, démerdez-vous. Toi, t'es vraiment le boss. Mais non, mais c'est de la merde, arrête de dire je suis le boss et creuse. Mais mec, tu te rends pas compte que nous on aurait mis 15 minutes à faire rien que ça là. Ah non, attends, les temples sont pas si compliqués. Apparemment, tu peux les faire direct, genre. Est-ce qu'on tente de se faire un peu. Bah oui, il faut y aller tout de suite alors. Surtout qu'on est 3 et on peut les agresser. Comment tu vois tes positions? C'est quoi le F3. Et okay, les temples sont à 200, ils 200. Sont en coordonnées 500 à chaque fois. Genre 500, moins 500, moins 500, moins 500, 500 et 500, moins 500. Attends, on est sur un 500 là, il faut qu'on détermine. Ok, bah, c'est par là, regarde, c'est dans cette direction, il faut qu'on sorte de là. On va à l'autre 500, vas-y, go, on va. Je pense qu'ils ont fait pareil là, tu m'as coupé. Sortez là. Putain, mais. je vous jure. Par là, regarde, c'est derrière cette montagne à la con. Roule. Je te suis, Raoul. Roule. Attends, fais gaffe, faut pas que le. Ouais, ok, c'est là-bas, vas-y, on est en route. Ok, on va vérifier qu'on se fasse pas attaquer. Il nous faudrait une épée en bois, je sais pas si ça se tente quand même. On va voir, il faudrait bon une épée en pierre quoi. Ouais, mais non, j'ai un peu de pierre, mais. Ah non, merde, c'est de l'andésite, c'est de la merde. Il me faudrait de la cobble, et là, il y a du sable. Mais gros, tu sais que ça va être chaud, hein. Tu sais, je rigole pas, hein, ça va être chaud, hein. Il faut qu'on s'arrête pour miner de la pierre à un moment, hein, sinon ce sera pas possible. Vas-y. Attends, déjà, allons autour voir s'il y a des joueurs, et peut-être si on peut les prendre en backstab. Comme ça, en fait, en gros, on a un objet. Si on est zéro, et comme il y a que 4 temples, je pense que. De toute façon, à mon avis, c'est déjà tout ce qu'ils font, et les gars qui ont spawn à côté de nous, ils y sont déjà. C'est l'équipe de Gotha, ils sont trop malins, ils sont déjà. Il y a un donjon là, clairement. C'est un arbre, ça. Ça, c'est clairement un donjon. Hein. Non, attends, on est bientôt en sens. Ouais. L'arbre là-bas, non, c'est. Non, demi-tour. Sur la droite. Allez sur la droite et regardez, il y a un pan de mur là. Et ce pan de mur, il y a de la bouse. Derrière cette bouse, il doit y avoir de la pierre. Cette pierre nous servira à faire. Go, les épées en pierre, vas-y. Go, les épées en pierre. Je suis chaud, je te suis. Ok, j'ai. Ah, magnifique. Putain, t'es tellement creuse, le boss. Creuse. Ignorez le sable compressé, c'est de la merde. Ok. Merde. Et le son compressé, j'ignore ou je. Fais gaffe à creuser au-dessus de toi. Si t'as du sable qui te tombe dessus, ça pourrait te buter. Donc fais attention. Et on a besoin de tous nos points de vie. Très bien. Ok. Très bien. Ah, mais il y a la bouffe à gérer. Attends, j'ai. Oui, ah, mais je suis un goron. Je suis un goron, je mange de la cobble, moi, mon gars. Merde, je peux pas la manger. Comment on la mange? Moi, j'ai des steaks. Non, c'est bon. T'as assez de pierres ou pas pour faire des épées, du coup? J'y travaille. Donnez-moi de la pierre. Donnez-moi toutes vos pierres et je vais le faire. Ok. Tiens, BG, c'est pour toi. Putain, la pression que vous me mettez, je vous jure. Bah t'es le capitaine hein frérot. Un steak je peux ça. Le manger je peux le manger comme ça pas cuit. Oui ouais, il est déjà mangé, cuit. Il est déjà cuit. Ok lourd vas-y bah je vais en prendre deux et ça c'est réglé. Ok trop bien. Donc une épée chacun et let's go. Et ben j'y travaille. Hop plus qu'une épée chacun je vais vous faire une pelle aussi on sait jamais. Wow. Une pelle en pierre parce que c'est utile. Tac tac. Je te fais full pierre hein tu me dis quand on a assez. 3 Et 4, on sait jamais. La bonne pierre. Voilà, je récupère tout. C'est bon. Voilà les épées, servez-vous. Une épée. Il y en a qui... Elle est dans le trou, là. Tombe dans le trou. Super. Deux épées. Tombe dans le trou, Squeeze. Impeccable. Vous avez tous l'autre une épée. On s'en fout maintenant. L'autre ouais, épée, jette l'épée en bois, on s'en bat les couilles. Et maintenant, prenez des pelles en pierre. Voilà une pelle en pierre. Voilà. Et Squeeze, à ton tour, dans le trou. Deuxième épée en pierre. Deuxième pelle en pierre. Voilà, donc là on a tout de quoi affronter les éléments. Là, normalement on est bien. Gardez la bouffe à portée de main et gardez la peau. Gardez la pomme d'or à portée de main. La pomme d'or régénère, souvenez-vous. Let's go à l'arbre. Je pense qu'il y a déjà des joueurs. Donc soit on va se fight contre des joueurs, soit contre des monstres. Dans les deux cas, faut qu'on soit très prudent. N'oubliez pas que clic droit sert à bloquer. Je sais que c'est de la merde, mais est-ce qu'on a le temps de faire un bouclier en pierre ou pas? Je sais plus comment on fait un bouclier, putain. J'ai oublié comment on fait un bouclier. Est-ce que ton chat peut te le dire? T'es pas en live? Si, je suis en live, mais le chat me le dira sans doute. Je suis pas censé courir archi vite moi par rapport à vous, c'est quoi cet arnaque? Moi je crains le feu. Parce que t'es un kokiri, c'est ça? Non, donc les gars, ça doit être. C'est dans l'arbre, je crois, ou sous l'arbre. Ouais, c'est l'arbre mojo. Mais on peut sans doute le creuser cet enculé. Et attends, t'es pas un super truc que s'il tape un arbre, il disparaît. Bute-le!
Vas-y. Attends, ah merde. Non, c'est pas, c'est pas un arbre officiel en fait. Non, ça marche si je suis à la base. Mais je crois qu'il faut aller dedans. Hein. Tant pis, ouais, c'est dedans. Hein. Il faut qu'on trouve le trou. Il faut qu'on trouve la bouche. La bouche, la bouche, c'est l'arbre Mojo. Qui a joué à Zelda ici? Ah putain de zoomer. Zoom zoom. On est à 500, donc c'est ici techniquement. Là, il est là, alors l'entrée. On a fait le tour pour rien. Yeah, bien joué, bien joué. Attention des araignées. Gardez vos distances. Alors attends, parce que Louis attention tirailier surtout. Hein. Attends, une info horrible, le coffre s'active dans 12 minutes à 20 minutes de jeu. On s'en fout, les araignées donnent du fil, et le fil, ça fait des arcs, mon gars. Ouais, mais on va pas vider le donjon, alors que je trouve un gars va venir se servir, tu vois ce que je veux dire. On ferait pas mieux là d'aller farmer pour avoir la boussole direct, bam. Attends, merde, il faut détruire ça. Araignée. Comment tu détruis le... À la pioche, j'y travaille. C'est bon, hop, ça c'est mort. Drilling. Donc ça on est bien, et effectivement... Je check pour l'instant, il y a... Ah, et il y a vraiment le donjon, on peut tomber dans le donjon là. Donc moi je propose qu'on s'installe à proximité du donjon afin de vérifier ce qui s'y passe. Donc allons-y. Exactement. Go creuser maintenant et prendre tous les matériaux pour faire venez, une boussole. Venez à la base là, venez à la base. Juste parce à côté que... du donjon. Oh okay. Attendez, est-ce que ça a l'air... Non, c'est une vraie caverne naturelle, c'est une vraie caverne naturelle. Bah bien, vas-y go, viens on y va. Oui, je marque l'entrée avec un morceau de cobble. Tu nous fais des sticks, c'était chaud. Pourquoi des sticks? Bon, la lumière, non? De la lumière, parce que là, c'est... Bien sûr. Démerdez-vous. Voilà, y a de l'eau, j'ai pas de charbon. J'ai pas de charbon, maniez-vous le cul, faites du charbon. Il me faut un peu de bois. Je vais en récupérer, toi, t'inquiète. Vas-y, j'essaie de voir. Charbon, ok. Attends, je vois rien, là, c'est pas possible, là. Attends. Creusez la terre, réfléchissez pas, mettez-vous bien. Je vois un peu mieux depuis. Va dans tes options et mets la brightness si t'as besoin, Doc. Option. Vidéo setting. Par contre, j'ai du fil pour faire un arc. Et faut ça, qu'on trouve... c'est quelle couche où il y a le charbon déjà, j'ai oublié. Là, j'en ai. Impeccable. Ah, yes. Fais des sticks et je crois qu'on peut peut-être le prendre dans la main en appuyant sur F avec un peu de chance. Pas sûr. Dropper la bouffe déjà cuite et les minerais déjà fondus, donc pas besoin de four. Ok, d'accord. Marche. Il te faut combien de charbon là, j'en ai un peu. Attendez, mais comment vous êtes descendu? Vous avez sauté? Mais. Sauté dans l'eau, ouais. Vas-y, mais comment on remonte? Putain, moi je vais faire une échelle, un truc, je sais pas. Ouais, au pire, tu casses des cubes et tu remets des cubes, non? Ouais, mais je suis goron, je crains l'eau. C'est le Minecraft, quoi. C'est pas grave. Tenez, j'ai 7 charbons là. Ok, attendez. Déjà, j'allume cet endroit parce que sinon, on n'en peut plus. Donne-moi tout le charbon, mon cher Dwag. Voilà, très bien. Rappelez-vous qu'on met toujours les torches à droite. À droite, ouais. Je veux bien que tu me lâches une torche et comme ça, je fais F et je crois que normalement. Charbon dans l'eau! Eh ben, prends tout. Faites attention à vos races respectives. Et il y a des bruits de Pokémon, faites gaffe. Si je fais ça, genre. Tiens, ah non, je peux pas te mettre dans ma main. Ah non, c'est relou. Putain, ça marche pas. Bon, c'est pas. Tu dis, mais là, je vais créer un coffre parce que sinon, tu vas te. Bon, vas-y, go trouver. Voilà, là, j'ai du matériau. Bamos. C'est quoi les matériaux qu'il faut en prio, quoi? Tout ce qui brille. Tout ce qui brille, ok. Vas-y, je ramène tout ce qui brille, ok. Si c'est une veine, tu le prends direct. Je viens de choper de l'iron. Et en gros, là, pour la boussole, Dwag, pour info, on a besoin du coup de 4 fers, un or, une redstone, un charbon, un diamant et un truc bleu. Un chunk minimum, quoi. Ouais, okay. Voilà, c'est, en gros. Alors, grosse question, par contre, les enfants, là, je pose la question à mon chat, est-ce qu'on peut faire des arcs avec juste du bois? Il me semble que oui, hein. Je crois que c'est ça, ou alors c'est des bâtonnets, putain. Non, c'est pas ça, ça doit être un. Est-ce que tu peux faire d'autres sticks ou pas? Parce que moi, je vois rien. Oui, j'ai des sticks, je vais faire ça. Alors. Je t'en ramène encore plein de charbon. Mais c'est que avec des sticks, ok, très bien. J'ai 10 iron. Ok, des iron. Là, il y a un coffre derrière la petite boîte. Il y a un coffre, posez tout. Soyez prudent surtout, hein. Le creeper vous entouille. Fait... Ok. Il est au coin de la rue. Plissez des yeux. Ok, très bien. Donc ça avec ça. Alors, il est où? Est-ce que j'ai fait des sticks? Non, j'ai pas fait de sticks. Merde. Je vais te. Non, mais c'est bon. Je vais faire les. T'inquiète. Je peux faire. Ils sont mis où? Ils sont là. Ok, je suis pas mal. Je perds trop de temps à faire ça, mais j'ai plus le raccourci. Je suis désolé, les gens. J'ai mis 8 torches dans le coffre. Ah, ok. Dwag, il va falloir que tu rentres au bercail pour nous donner tes. Je suis au coffre là. Ok les gars, je m'enfonce, c'est parti. Je m'enfonce, couche, je sais pas combien, j'y vais. Je te mets charbon, je te mets lingots de fer. Oh putain, t'es impérial. Lingots de fer, on a déjà des outils pour ça, mais je vais nous faire des épées en fer immédiatement. Continue. Ok. Avant de continuer, prends 7 torches. Voilà, 20 et 20. Prends un petit stack, un micro stack de torches, c'est quelque chose. J'ai du charbon, on va pouvoir refaire des torches, les gars, si jamais. Ouais, parfait. Mais voilà, mais il faut qu'on le garde aussi. Il y a une couche particulière que je dois descendre ou tu t'en fous?
Aucune idée. Là, je t'avoue qu'on tape dans les limites de ce que je sais faire. Je suis lent dans mes moves. Je suis pas en découverte, c'est juste que j'ai oublié, si tu veux. Très bien. Squeeze, je t'apporte des torches. Je te donne du charbon en échange. C'était chaud. Non, mais c'est bon, en fait, je peux me les faire. C'est bon, j'en ai assez, je peux me les faire. C'est adorable. Okay. Très bien, on est équipé. J'ai toutes les épées du monde. Je vais vous filer une épée en fer et c'est avec ça que vous devrez dorénavant vous battre. Pense toujours à faire le chemin de retour, débilus. T'inquiète, je fais juste ça. Mais tu fais à côté de moi. Attends, bouge pas. Déjà, prends ça. Là, je l'ai mis à ta droite. Voilà. Ça, c'est juteux. Ensuite, je vais suivre la courbe naturelle de la grotte, moi, déjà, pour voir s'il n'y a pas des... Vas-y. Pour voir s'il n'y a pas des choses, déjà, qui se promènent un peu. Oubliez pas, si on tombe sur des zombies, il nous faut de la chair putride, genre, ça va nous être grave utile, en vrai. Mais apparemment, je sais pas, avec ton skill, en vrai, le donjon, on peut le passer... L'épée est dans le coffre ? Non, l'épée, c'est sur moi. Je pose pas ça dans le coffre, c'est moyen de se faire guaquer, ça. Oh, tu m'as fait peur. Vas-y. Ah, je suis là, regarde, je suis là. Attends, je suis couche 31 là. Waouh, j'ai le temps encore. Tac, aïe. Attends, vas-y, l'épée. Tiens, je te mets l'épée, prends l'épée en fer. C'est couche combien déjà le diamant? J'ai complètement oublié. C'est pas 10, 11, 12, un truc comme ça? Je crois que c'était 10, 11, 12 ou un truc comme ça de mémoire. Je crois que c'est 12. Dwag, équipe-toi de ça déjà. Ouais. C'est au sol, voilà. Armure, c'est top ça. Voilà, ça coûte cher hein, en armure, en acier, mais bon, pas le choix si tu veux. Je t'ai remis un peu de lingots, bon, à chaque fois je te mets tout ce que j'ai. Garde les lingots en acier. Là, on prend des risques par rapport à notre. C'est moi, Squeeze, hein, je suis juste derrière. Ok, je suis 20. Franchement, on se débrouille bien, je suis assez fier de nous. C'est organisé, en tout cas. On me dit de manger, c'est vrai. Pensez à manger, moi je peux manger de la cobble. Pensez à manger, moi j'ai des steaks, donc je suis bien. Manger de la cobble, c'est assez fumé. J'ai re du charbon là où je suis. Oh oui, du fer. Oh mais quel débile Si vous tombez sur du feu, souvenez-vous que je suis pas... je suis sensible. Moi je crains... Feu. Ouais pareil, je crains deux fois plus le feu. Genre si je me prends la lave, je suis mort. Doit que t'as pris quelle race? J'ai pris le Zora. Donc peut respirer sous l'eau. Donc t'as la flotte toi. Ah ouais. Toi putain, si on peut aller au temple qui est sous l'eau, tu vas être royal. J'avoue. Ouais, je peux gérer sous l'eau et je crois normalement je cours plus vite, mais il y a un bail comme ça quoi. Non, mais ça doit marcher que lorsque t'es près des cours d'eau. C'est marqué, je crois, me souvenir. Ah. Bah oui, forcément. Forcément. Bon, et ben je suis en train de creuser en veine horizontale en espérant trouver des choses. C'est 13, très, 13 ou 12 ou 11 la couche pour le diamant. Les 3, mais mets-toi à 12. Mets-toi à 12 et ça te donne accès et à 13 et à 11. Stylé. Ah merde. Non, mathématiques. Oui. Quel enfer. Eh oh. Respecte un peu les zoomers. Non, je respecte. Oh putain, de l'or. Nice. Prends. Ouais, je prends tout. De toute façon, il nous faudra de l'émeraude et du lapis-lazuli et du rubis. Enfin, de la. Waouh. Qu'est-ce que tu t'es fait? Waouh. Dégâts de chute. Ah, nullos. Oh non, putain, les gars, je tombe sur une autre caverne nature. Eh ben, parfait. C'est parfait, ça. C'est que t'as des chances de les trouver même à la roche, si tu veux. Sans te faire chier, si t'es à la bonne hauteur. Yeah. Fais très attention au feu, cependant, parce que là, t'es à la hauteur et je vais prendre de la gueule. J'ai de la redstone. Putain, c'est bon, ça, il faut qu'on le rejoigne. Il y a deux creepers, il y a trois creepers qui viennent vers moi, c'est normal. Non, c'est de la merde. Et surtout, n'oublie pas, tu peux les poutrer avant qu'ils entrent dans ta ligne de rang. C'est ça. Laisse, voilà. Okay. Laisse pisser. Laisse-moi passer devant. Vas-y. Il y en a un à gauche et un à droite. Bonjour. Il est mort. Mais oui, j'ai vu, regarde. Voilà, on l'a bully, regarde ça, bully. J'ai de la redstone, frérot. Ça, c'est lourd. Ouais, j'en prends aussi, on sait jamais. Voilà, très bien. Donc, on a de la redstone. Donc là, tu vois, c'est un truc naturel. Ah putain, trop bien, regarde, on a ça aussi. Ouais, tu vois, naturel, c'est nickel. Surtout quand il y a de la lave comme ça, ça peut mener diamant. Très il facilement un diamant. Voilà, du diams. Quelqu'un, on a un seau d'eau. Putain, on a un seau d'eau. Bouge pas. Un seau d'eau qui est dans le sac. Recule. Voilà. Plus qu'à attendre. Et voilà, attention, parce que ça peut encore être de la lave en dessous. Tu vois, parfois, tu creuses en mode « Ah, c'est safe !» et puis tu meurs comme de la merde. Et c'est pas si safe. Ok. Ouais, c'est ça. On creuse tout ça, du coup, au cas où, pour voir? Oui, creuse les alentours. Hein. Fouille. Merde, j'ai buté la torche, j'arrive. C'est bon, voilà. Fouille surtout quand tu vois, regarde, un petit secret. Regarde, pro tip. Regarde, tu vois, regarde, par exemple, regarde. Là, tu vois ce caillou que je tape, là. Voilà, que j'ai tapé. Ouais. À droite, tu vois que le caillou donne sur la lave directement. Alors que là, c'est plein. Donc ça veut dire que t'as peut-être une chance de directement révéler une zone dans laquelle se trouve du diams ou un mur ou quoi que ce soit. Tu
tu vois. Là, et puis c'est bien parce que ça permet de révéler la lave. Tu vois, là on est en train de bien déterminer les limites de la lave, et comme on a bien déterminé les limites de la lave, on sait où se trouvent les pièges. Les gars, dans 3 minutes on peut aller dans le temple, hein. Dans 3 minutes faut y aller. Hein. Non, mais pour de vrai, hein. Ben moi je propose même d'y aller tout de suite, hein. Parce que 3 minutes ce sera le temps qu'on fasse le temple. Go. Et de toute façon, allez. En plus j'ai plus de pioche. Allez, go. On sort. Doigt, t'entends. Doigt. Sûr. Ouais, okay. Ouais. Sûr. J'arrive. Putain, est-ce que on n'a pas de diamant, on n'a pas de lapis-lazuli. Malheureusement, on pourra pas faire la boussole. Mais on progresse. Ouais, tout se passe bien. Nickel, j'étais en recherche. J'ai pas trouvé de truc de ouf. Juste avant de sortir de la caverne, quand on sera arrivé en haut dans notre endroit un peu commun, il me faut voilà la table de craft. Je vais nous faire des armures en fer. Ah putain, je peux en faire une. Ou alors faut me donner plus de fer, les enfants. Je peux en faire deux. C'est bon. On a tous une armure en fer. Alors on n'a pas de jambes, mais on a un torse. Je t'envoie cette fer ou pas? Donne. Donne. Tiens, déjà. Mon père. Merci. Alors on est bien avec ça. Laisse-moi calculer. Déjà des épées, on en a. Mais tu n'as plus de pioche. Or la pioche, c'est important. Il faut se dépêcher, les gars. Il faut y aller. Hein. Vraiment, c'est dans 2 minutes. Je pense qu'il faut y aller maintenant. Parce qu'après, faut trouver le coffre. Dwagby, sors. Là d'où on est arrivé. Ah, c'est bon, je vois. Attends, je vais faire une pioche. Je suis là. Lingot de fer, j'en ai 30. Oh merde, bien joué, bah donne tout. Bah wow. C'est Squeezie qui a ramassé. Bah très bien, mets tout dans le coffre. Tiens, je te les ai envoyés. Ah super, super. Impeccable. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai du charbon à la con. Ouais, alors attendez, du coup il faut que je fasse des bottes pour tout le monde. Voilà. Ok, je vais faire des escaliers pendant que tu fais ça, comme ça on perd pas de temps. Ouais, des escaliers pour sortir, vas-y. Voilà, des futales pour tout le monde. Est-ce qu'on a de quoi faire un futal pour tout le monde? On a de quoi faire un futal pour tout le monde, mais c'est la limite. J'ai tellement de trucs qui servent à rien. Ça, je pense que ça sert à rien. C'est déjà un petit équipement, il y aura pas de casque, mais... Dwag! Ouais. Coffre! Je prends. Squeeze! Merde, t'es où? T'es où, Squeeze? Je suis parti dans le mur, je suis en train de faire un escalier pour monter. Ouais, mais je te vois même pas à travers le... Je te mets même pas à travers le trou. Ah ouais? Ouais, mais surtout qu'on a la fin là, on a le bord là, regarde, c'est là qu'il faut creuser. Si, regarde. Suis-moi, Dwag, essaie de m'aider à élargir. Peut-être que j'ai fait de la merde. Non, t'inquiète. C'est possible que je fasse un truc pas du tout optimisé, c'est même très possible. Ouais, non, mais c'est pour ça, mais c'est pas grave. Non, en diagonale, par là, Dwag, par là, regarde. Creuse vers Quizzy. Impeccable. Ah, c'est bon, les gars, j'ai réussi. C'est bon, les gars, j'ai un escalier. Impeccable, ok. Les gars, je redescends pour vous montrer où il est. Ouais, bah vas-y, vision, on te suit. Il est là, regardez. Venez. T'es tombé dans la flotte. Ah putain, je te vois. Venez là où il y a le coffre de base. Ah, je peux pas, mais t'as la jambe, voilà. Ça, c'est pas grave. Ah merde, là. D'accord, ok. Vas-y, saute dans la flotte, Dwag. Les gars, le PVP va être activé, les gars. Maintenant, si on croise des joueurs, on est dans la merde. Non, hé, Squeeze, ton armure. Quoi? Ton armure, tiens. Mais non, mais débilus. Ah putain, bouge pas, une seconde. Tiens, des bottes, tiens, un slip derrière toi. Attends, les bottes, c'est fait, je veux bien le slip. Tu l'as maintenant. Ah oui, c'est bon, je l'ai. Impeccable. Trop bien. Et là, on est dehors. Bon, je suis focus là. On okay, est dehors, gars, si on est dehors. Vas-y, go dehors. Attention, où sont-ils? Soyez prudents, il y a le PVP maintenant. Soyez vraiment prudents. Okay. On go dedans, vous êtes prêts? Ouais, on go dedans direct. Hein. Vas-y, go. On go dedans direct. Faudrait que tu me refasses d'une pioche après, Bob, dès que tu peux. Bon, alors, la première énigme. Tu le vois, le coffre, il est là-haut. Attends, regarde, on va faire tout là-haut. Où ça? Où ça commence à tout là-haut? Je crois qu'il est là-haut. Attends, regarde. Ah non, attends, j'ai rêvé? Non, parce que vous vous souvenez que ce donjon, pour briser la toile d'araignée, il faut sauter dans la flotte qui est au centre, ce qui nous permet d'accéder dans la partie réelle du donjon. Je vais détruire le truc qui fait popper les mobs, là. Voilà, c'est bon. Moi, je peux nager, hein. Mais putain. Oui, mais il y a l'étoile d'araignée. Il y a l'étoile d'araignée qui va t'arrêter. Bah, je suis le chemin. Là, regarde. On peut monter aux escaliers ici. Mais là, il y a aussi ça. Putain. Quel enfer. On sait pas... faut suivre le chemin. Ah putain. Attention à sortir. C'est par là, Bob. Explorez chacun. S'il y en a un qui trouve le coffre, prévenez les autres, les gars, ok? Ok. Ah putain, l'araignée. Viens à mon étage, il y a beaucoup de monstres. J'ai besoin de toi à mon étage. Il y a beaucoup de monstres. Ah oui, je vois. Attends, caille. Ah, mais étoile d'araignée. Oh, il y a même des trucs bizarres. Il faut miner les spawners. C'est un coffre, ça, j'ai un coffre. Oui, il faut miner les spawners. Mine le spawner. Ou mets un torche. Ouvre le coffre. T'as ouvert, ça a fait un bruit. Ok, j'ai une épée. Laquelle? Oh putain. Une Master Sword. Mais c'est la béborée, enculé. C'est l'épée de Link. C'est la Master Sword. Viens, je te la donne. Bon, mais non, donne-la. Mais donne-la. Prends-la, t'es meilleur que nous. Mais débilus. J'ai eu peur d'une fougère, gros. Mais non, mais bien joué, c'est la meilleure épée du monde. Nice. Alors, c'est une épée en or incassable. Sharpness 6, Ban of Arthropod 2, Smite. Donc ça bute les araignées.
Donc en gros, si t'arrives au corps à corps de quelqu'un, tu peux le mettre trop mal. Bien joué. Alors j'ai résistance en tant que goron. En tant que goron, j'ai résistance, mais donc je peux peut-être arriver au corps à corps, mais faut faire gaffe à l'eau. Oh, putain, faites gaffe, je suis tombé de l'échelle, j'ai perdu deux cœurs. Ouais, bien sûr. Tu peux te régénérer. Pensez à manger. Attends, et avec les ficelles là, on peut pas se faire là des arcs. Si. J'ai déjà récupéré pas mal de ficelles, je pense. Ouais, j'en ai 9, je devrais avoir assez. Il faut faire des arcs. Je suis tombé, mais c'est pas grave. Sortez. Vas-y, attends. Sortez. On a besoin de se regrouper. Regroupons-nous. Retournons dans le trou, notre trou. Okay. Allons-y. Regroupir. Regroupir. Non, pas ce cri. C'est une araignée. Il annonce tellement des mauvais présages. Je le connais bien maintenant. C'est vraiment la surprise, quoi. Je t'attends ce coup-ci ou... Ouais, attends deux secondes, je mange. Sortez. Voilà. Ok les gars, on retourne dans notre grotte, on trouve du diamant et... Oh putain, je suis vraiment une merde. On a la Master Sword, les enfants. On trouve du diamant, on est bien, ok. Ouais. Alors, coffre, voilà, très bien. Alors, récapitulons. Pour forger un arc, il me faut ça, j'imagine, et si je me souviens bien, des bâtonnets. J'ai pas de bitonnets de poisson comme un débilus. Donc il faut que je divise ça, je fais plein de bitonnets de poisson, voilà. Donc ça va là, et après... Ouais, c'est bon. Wow, ouais, ça met la pression. Kamato s'est noyé. Kameto s'est noyé, pardon. Oh non, j'ose pas imaginer ce qui s'est passé. Mais ça, à mon avis, soit allé au temple de l'eau. Les enfants, coffre. Voilà, un arc, deux arcs, trois arcs. Alors, vous n'avez pas de munitions illimitées, nous n'avons pas de flèches. Pour des flèches, ils nous font du flint, c'est-à-dire du silex, et des plumes de poulet. J'ignore où est-ce qu'on trouve les deux, bonne chance. Voilà. Et c'est déconseillé de tuer les poulets, apparemment, des fois, ils te retirent un cœur en fait. Ah, donc c'est mort, on n'aura pas de flèches. Pour les diamants, focusser la table d'enchant si possible. Oui, c'est vrai, il faut faire une table d'enchantement. Mes cœurs ne remontent pas. Même en t'étant soigné ? Même en ayant bien mangé ? Ah, si, ça remonte, je crois. Attends, je sais pas, il m'en manque 3. Non, il doit y avoir. Je crois que mon livreur ne va jamais arriver chez moi, malheureusement. C'est pas grave. Je sais pas comment on fait pour régénérer dans ce mode. Je sais pas comment on fait pour régénérer. Bah ouais, c'est UHC. Ah non, mais c'est mode hardcore, en fait. Ouais, mode hardcore. En fait, il y a eu un heal. Dès que le PvP a commencé, on a tous été heal. À partir de là, je pense. Ah, la pomme d'or. La pomme d'or peut nous remonter la vie, c'est vrai, mais ne la mangez pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Et sinon, j'ai une pomme normale. C'est pas bon une pomme normale ? Non, tu pourras l'entourer. Tu peux l'entourer de lingots d'or afin d'en faire une pomme d'or. Donc garde-la. Ah. Ok. Bon, si les règles s'appliquent, je suis revenu. Sur vos gardes. Les gars, juste restez quand même sur vos gardes parce qu'on est à proximité d'un temple. Donc faites gaffe derrière vous et tout. Ça, restons paquets dans la grotte. Et ben, ça peut arriver derrière nous et toi, t'as l'épée magique. Tout au fond, je suis tout au fond de la grotte. Je suis encore en train de miner la lave. Restez bien ensemble et faites gaffe parce que. Il nous faut la boussole et on va récupérer une Triforce directement, ok, dès qu'on a la boussole. J'ai vraiment peur qu'il y ait des gars qui aillent au temple et qui se disent mais attends, il y a une grotte juste à côté, mais attends, regardez, il y a des joueurs là-bas en bas. Ouais, et comme gratuit. Ils auront l'effet de surprise, ils vont nous baiser en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Même si j'ai la Master Sword, c'est pas safe, si tu veux. C'est pas safe. Bah ouais, surtout si on tombe contre des joueurs qui savent vraiment bien jouer, tu vois. La Master Sword, vous me mettez la pression. Hein. C'est juste l'épée. Non, mais c'est toi qui connais le mieux en fait. En termes de PVP, non, je suis pas PVP moi, je fais des maisons. Putain. Tu sais quoi, on va même, regarde. Allons dans la direction qu'on prend et je ferme derrière nous au cas où. Ferme-la, une seconde. J'entends de la lave, venez sur ma position. C'est fermé, j'ai fermé derrière, bon on sera cramé mais j'ai tenté la fermeture. J'entends de la lave, venez dans ma position, creusez partout autour de vous. Faites attention si je mets de la lave recours, reculez. Mais reculez genre à une vitesse folle. Hein. Genre téléportez-vous. Je crois que c'est sur ma droite, j'ai l'impression que c'est sur ma droite. Ouais bah creuse à droite, suis le bruit. Merde. Ah les gars, j'ai de l'or. Il me faut une pioche en argent pour l'or. Non, j'ai une pioche en pierre. Tu veux dire comment ça une pioche en acier. J'ai une pioche en acier. Je vais te la faire. Je te la donne. Regarde, bouge pas. Merci BG. Voilà. Tu me régales. Garantie. C'est la régalade, mon gars. Ok, j'ai de l'or. Je prends tout l'or. Hein. J'ai un livre. Putain, qu'est-ce que je fais d'un livre ? Réfléchis. Pensez à surveiller derrière vous. J'ai vraiment pas envie qu'on se fasse backstab. Genre, en fait, c'est même pas le fait qu'on perde, c'est la satisfaction que ça va offrir. J'ai pas assez d'acier. J'ai pas assez d'acier. Donnez-moi de l'acier. Je suis dessus. Pareil, ma pioche arrive à Secos là. Merde. Il nous reste des pioches en pierre. J'en avais faites au début. Non. Fais péter l'acier, Squeeze. Tiens. Je viens d'en prendre 9. Tiens. Et j'ai super. De l'or, tiens, t'es le maître des lingots. Bah écoute, ouais non mais si je me fais buter, c'est la fin de Mais non, tu vas pas te faire buter, moi je crois que de ouf en toi. Venez récupérer vos pioches en fer, les frérots. Venez vous saucer.
voilà, venez vous saucer tout ça. Putain, mais il nous faut du putain de diamant là, un diamant et on pourra faire toutes les boussoles. Voilà, devant, devant le, la boîte de craft, il y a une pioche en fer. Bah tiens, je viens de t'entendre ça saucer. J'ai redu faire. Je vais te la chercher, Dwight, bouge pas, regarde, elle est dans l'escalier là, hop là, c'est bon, tu l'as eu. Perfecto. Impeccable. Squeeze. Ouais. Prends ta pioche en fer. Tony. Deuxième échantillon. Goûte. Attends. Oh, les gars, j'ai du diamant. Oh, le diamant. Putain, il nous faut du lapis lazuli. Putain de diamant. Garde-le. C'est quoi la couche du lapis lazuli? Est-ce qu'il y a une couche attitrée là? Aucune idée, sincèrement. Ok, bah trouvez du lapis lazuli, les gars, et c'est réglé. Et on peut faire. Attention, il y a beaucoup de lumière. Ouais, c'est bon. Putain, le lapis lazuli. Ah, la lave, elle était peut-être au-dessus, les gens me disent dans le chat. Ouais, c'est possible. Comme le diamant était là, la lave elle était sûrement au-dessus. C'est pas grave. Attendez, je dois répondre à 2 secondes. Bien sûr, va répondre à la porte. Putain de merde. Je sais pas voir où fouiller en vrai là. Là, faut juste qu'on descende aux bonnes couches. Non, mais on est aux bonnes couches et je sais pas à quelle couche se trouve le lapis d'azuli en fait. C'est pour ça, donc c'est le. Si vous savez, vous dans le chat. Bob fait la pomme d'or, ouais, mais Squeeze et AFK. Parce que là, on est couche 11, hein, normalement c'est là. Hein, c'est couche 11. Je suis là, les gars, excusez-moi. Je vais m'absenter un instant. Squeeze, donne-moi toutes tes pommes. Toutes mes pommes. Toutes tes pommes, c'est un hold up. Les pommes normales. Tiens, je te les donne. Mais non, mais pas les vrais. Ouais, vas-y, tu peux le raise. Attends, t'en avais qu'une? Le pauvre, il s'est noyé, c'est une erreur, c'est drôle, vas-y, reste le raise. T'en avais qu'une? Ouais, j'en ai qu'une. Ok, bah très bien. Bouge pas. L'idée, si on peut avoir une boussole chacun, c'est cool. Et les minéraux, normalement, on devrait pouvoir avoir une boussole chacun, genre, en vrai. Ouais. Tac, voilà. Bon, là, les gars, il nous manque juste la pile azulie et c'est réglé. Squeeze, pour la boussole. Ouais, bien sûr. J'ai la bonne surprise. Tiens, regarde, Squeeze. Tu n'as plus 2 pommes. Retour sur investissement, 3 pommes d'or. Incroyable. Oh, mais t'es le boss en fait. Bah, il suffit d'entourer de la pomme avec. On est bien accompagné, c'est une belle équipe. Non, mais. Oh, de l'or. Oula. Si. C'est des zombies, c'est les bruits de zombies. Ça veut dire qu'il y a une ouverture quelque part. Kameto s'est renoyé, il mérite. Renoyé, non, mais c'est pas possible là. Non, mais il s'est renoyé. Non, mais il est dans le temple de l'eau, 100%. Bah ouais, 100%. Pourquoi il y a des cris de petites filles là? Non, c'est parce que c'est des démons. C'est les trucs, quand ils te regardent, ils te paralysent. C'est comme des Enderman. Voilà, ils sont au-dessus. Ils sont 100% ouais, au-dessus. Au-dessus de nous, il y a un bordel, mec. La lave aussi, tout à l'heure, elle était au-dessus. Il nous faut du lapis lazuli. Dès qu'on a du lapis. J'ai trouvé. C'est quoi ça? Ah non, c'est des diamants. Jams. Oh, Jams, prends. On va pouvoir se faire une pioche ou un truc comme ça. Au-dessus. Alors attendez, je vais vous faire une ouverture, un passage et je vais le creuser, je vais l'escalader. Vous en faites pas, on va se faire une ouverture. Voilà, vas-y. Fais attention, Squeeze, fais attention. C'est le meilleur moyen de te faire agresser comme un débilus par des monstres au-dessus. Ah ouais, de faire ça? Ils vont tomber dessus, si tu veux. Mais non, mais. Mais frérot. Mais arrête, on fait un escalier, Doig, arrête de nous péter. Mais ça m'avait coincé, j'étais coincé. Avance. Squeeze, avance. Attends, deux secondes. Putain de merde. Allez, c'est bon, j'y suis. Ok, très bien. Ok, y'a un. Il est là. Attends, recule, j'ai. Haha, Master Sword, mon gars. Je vais les baiser. Je vais leur. Il a l'épée de. Baiser la chatte. Et c'est fermé. Alors attendez. Plutôt que de mettre des torches. Attendez, plutôt que de mettre des torches, je vais les éteindre, celles qui sont derrière nous, on va continuer à avancer, à creuser comme ça. Allez-y, mais continue, voilà. Ce qui fait que ça va pop, ça devrait pop. Voilà, et comme ces enculés ils pop, on les démonte. Tu les farmes, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, alors... reste prudent. Non, mais n'éclaire pas. Éclaire, mais genre là, en fait, si tu veux. Voilà. Ok, il nous faut du lapis lazuli, c'est réglé. Est-ce que dans le chat, quelqu'un a l'info, une info à lapis lazuli, ça nous régalerait, les gars. C'est quelle couleur déjà le lapis? C'est bleu foncé. Bleu clair, ouais. C'est diams, et bleu foncé, c'est un bleu très profond. T'as bien bleu... sur toi le diamant et tout, on est d'accord, tu l'as pas mis dans un coffre par hasard. On a tous du diamant et du rubis et tout ce qu'il y a. D'ailleurs, je peux les donner, moi, je suis full. Je suis full aussi. Je vais faire un coffre à poubelle, les enfants. Ah, je suis chaud, ouais. Ouais, parce que sinon, ouais, on va pas s'en sortir. Putain, mais on est tous au même endroit, c'est pas la merde. La pile azuli de merde. Et aussi les gars, faut retrouver du fer et tout pour qu'on se fasse full armure chacun. Il manque le casque. Ouais, et après faut enchanter, c'est ça. Je sais pas comment on enchante des trucs, j'ai oublié. Tu peux faire deux coffres côte à côte, tu fais un coffre poubelle et un coffre pas poubelle. Je suis chaud. Ça c'est le coffre poubelle. Non, ça c'est le coffre poubelle. Ouais, commence par le coffre poubelle parce que nique sa race. Voilà, à un moment ça allait 5 minutes mais voilà. Poubelle.
Hop là, hop là. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. Kermeto a été vaincu par Drox PVP. Ouais, donc il a été re-raise. Hein. À un moment, faut arrêter là. Faut plus tolérer ça. Là, il passe actuellement la pire game de sa vie. Moi, je. Voilà, Kermeto, tu m'entends pas, mais t'as tout le monde son tir, frérot. Courage. Ah, mais il est mort, le pauvre. On sait ce que c'est, mon pote. Par contre, il a été slain. Une triforce a été trouvée. Bordel de chatte. Et nous, on en chie encore avec notre lapis-lazuli de merde. Couche 13. Couche 13. Ils nous disent couche 13. Pas mal du lapis-lazuli. Couche 13. 13, okay. On est trop, on est combien là? Faut qu'on soit full fer, on est trop, vas-y, descends. Non, on est trop, ouais, on est trop, ouais. Retournez, on était à la base, Là, on fait n'importe quoi, la guerre naturelle, on s'en bat les couilles, y'a rien. C'est vrai, ça va, demi-tour, Dwagby, demi-tour. Ok. On peut, par contre, on peut creuser, à mon avis, par là, et y'aura sûrement quelque chose. Ah bon? La pile à zuzu. Ouais, y'a une caverne pas loin là. Ah, c'est parce que t'entends les zombards. Garde la viande. Je tire de la viande? Voilà, là, je tombe sur du fer ou de l'or, je crois, je sais pas. Que ça plaît bien, c'est ça? Ouais. Là, il y a du fer, c'est du fer, ça. C'est du fer. L'or, c'est vraiment jaune super saiyan, si tu veux. On est couche 15, là, ça peut se tenter. Pensez à Grail, là, ça fait un bail. T'inquiète, je suis fou, moi. Au-dessus, peut-être, je vais voir. Au-dessus, attention! J'ai! Oh, oh, réflexe! Au-dessus, perds pas de vie, mec, hein, perds pas de vie. Attends, je surveille le trou, Dwagby, Squeezie, faites un escalier, allez au-dessus. Je surveille le trou, Mais faut pas descendre, faut pas plutôt descendre? Non, non, mais je surveille le trou pour pas qu'on se fasse agresser par ces salopes! Mais bah, bouche le trou et vas-y, on perd du temps. Mais non, mais c'est une grande caverne, ça va mener à des trucs fous, je suis sûr. Ok, vas-y, vas-y. J'ai foi. Vas-y, je fais un escalier. Et surtout, les grandes cavernes, c'est avantageux parce que ça nous permet de parcourir les murs à une vitesse folle. Putain. Ok, il y a une caverne, c'est parti. Par exemple, ça. Pousse-toi, recule. Archer, c'est bon, il est mort. Du lapis. Araignée, il y a un coffre. Y'a un coffre gratuit, y'a des monstres, y'a des monstres partout. Équipez-vous, laissez-moi passer. Restez derrière. Okay. Quel héros. Restez derrière. Non mais c'est bon, j'ai. Crève. Mais baisse-le. Mais j'ai t'as perdu un cœur pour rien. Putain, ouais, un demi-cœur. C'est pas grave. Y'a deux coffres là, venez, servez-vous. Mais y'a une selle! Qu'est-ce que je m'en fous, y'a du pain! Bah, du pain, c'est quelque chose. Les gars! Quoi? Y'a une armure de cheval en diamant! Ah bah, c'est stylé. Moi j'ai une selle, donc ouais, une armure ancienne, c'est pas mal. Ah oh, bah, vas-y, y'a surtout un saut. Si on chope un cheval en fight, on aura forcément l'avantage parce qu'on pourra aggro quand on veut et fuir quand on veut. Ah ouais, bon, et on va te faire toi le meilleur chevalier de la contrée. Mais je veux pas être Link! Tu vas être le meilleur chevalier de la contrée, on a une armure de cheval en diamant, mon pote. Putain. Non, il faut qu'on trouve un cheval, hein. Non, je rigole même pas. Et pas de la pile à Zulie, c'est explorer, y a pas de la pluie d'usine, c'est de la merde, donc il faut qu'on creuse et qu'on parte ici. Ça, c'est de l'andésite, ça peut tomber putain, vachement on a pas vite. De chance. Je sais pas après, comment trouver de la pile d'usine. Putain, on a pas de chance, putain. On me dit couche 30, c'est 11-15. Couche 31. Quoi, couche 31 putain, ils me disent 31 ou 11-15. Ils sont opposés sur le chat. 31, couche 31, remontez, il faut qu'on remonte. Ça a spoilé, donc je crois qu'ils sont en emotonly, mon. 31 sûr? 31, faut qu'on remonte. On remonte avec cet escalier divin que je suis en train de construire. Il y avait des bruits de monstres et une autre caverne, hein, pas loin, j'entendais où là-bas. Où ça? Viens là-bas, viens avec moi. Là-bas, il y a d'autres bruits, vers ici, précisément ici. Putain, ouais, je vois. Tu vois, t'entends ou pas? Ouais, je vois. C'est au-dessus, c'est. Ah bah, c'est là, impeccable. Laisse-les venir. Fais pas l'erreur de passer devant, reste derrière. Regarde, là, il y a un creeper. Okay, quoi, lui? J'ai massacré. Non, parce qu'il y a des archers, en fait. C'est ça le danger, ouais. Le danger c'est les archers. 4, 1, 2, 3, je vais y aller. Banzai. Trois morts, c'est violent. 4 morts, 5 morts, allez. Ça c'est un pentakill mon gars. Bien ouais, allez. Je suis en train d'aller de l'autre côté, voir s'il y a quelque chose. Torche tout. Ouais, je suis en train de torcher, t'inquiète. Ici y'a de l'or. Il y a de l'eau aussi. Les gars, on a tout sauf du. Il y a un fantôme magique du cul là. Il a des choses, je suis sûr. Je le tabasse. Oh, c'était une sorcière. Du cul, il faut le tuer, Bob. Non mais c'est une sorcière. J'ai récupéré du sucre, je crois. Sorcière, c'est du sucre. Ah mais attends, ça m'a fait tomber à un autre endroit. On est déjà allé, je crois. Mikalo est mort. Oh, par Killstar. Akio est mort. Attention, j'entends un monstre. Ouais, il est là. Il meurt, mais nous on est foutus en fait. Non mais les gars, je crois en vous. Hein, c'est pas ce que j'ai dit. Mais déjà, c'est ouf, soit pas nous qui sommes morts. En hauteur 15. Merde, je perds un cœur en tombant. En même temps, je creuse sous mes pieds. Je les cherche. C'est pas grave. À un moment, on va creuser et on va on va utiliser une pomme avant de se mettre en couche. Les gars, je suis perdu. Vous êtes où? Ok, je vous vois au loin. J'arrive. Comment je remplis mon seau d'eau?
En prenant une source d'eau. Et ça, c'est pas une source, c'est juste de la merde. Oh. Donc, regarde la source, elle est dans le trou. Elle est dans le trou là, regarde, je vais te la révéler. Elle est là, la source. Ça, on écouche combien là? Les gars, il nous faut vraiment, je vais pas mettre de pression. Hein. Mais si tu on mets la pression, tu mets la pression. D'ici 5 minutes, on est mort en fait. Mais je sais, on est en train de remonter là, je suis en train de remonter. Ça se trouve, ils avaient la Triforce. Ça se trouve, ils avaient la Triforce et c'est pour ça qu'ils sont. Y'a plein de fer, prenez tout! Vas-y, je prends. Un mojo? Ah, c'est des mojos, c'est ça que je comprends pas en fait. Ça se trouve, gros, ils avaient pris la Triforce et ils se sont fait traquer par Aki et tout qui avait une boussole. Et en fait, je sais pas, non, j'ai une théorie peut-être fumeuse. Il y a de l'acier partout ici. C'est avantageux, ouais, mais c'est pas ce qu'on cherche. J'ai beaucoup de fer. Bon, c'est mieux que rien, on va dire, mais. Il nous faut du lapis-lazuli là, c'est genre juste pas possible. Là. Ah, je suis dégoûté, hein. je vous jure. On trouve tout, hein, mais sauf du lapis. Hein. Plafond, il y avait du lapis, on me dit plafond. Plafond, il y avait du lapis, cherche. Les plafonds. Les mecs me trollent, je suis sûr. Lapis au plafond, cherche partout. Moi là, j'ai masse fer, genre vraiment, les gars. Je pense que ça me troll. Derrière toi, qu'on me disait. Non, en bas. Cherchez les plafonds. Je full check. J'ai 59 fer, si t'as besoin, frérot. Là, j'ai yes. Nice. Lapis, mon gars. Yes, j'arrive, mon pote. J'arrive. Alors, je vais te donner la... Ouais, c'est l'heure de craft. Merci le chat. Assiste chat, les mecs. Fais-nous du craft. Et je travaille. Si ton chat spoil, tu le passes en émotonly par contre. Moi, il spoilait de ouf dans le mien, donc on a dû. Mais ils spoilent pas, ils m'ont juste dit que j'étais un débile, ils ont raison si tu veux. Allons-y. Attends, les recettes, donnez-moi tout. Je te donne la recette, donc chaque extrémité. Non, mais je l'ai la recette, mais je veux dire, donnez-moi les composants. Attends, je vais faire un tour. Ah oui, excuse-moi, il te manque le diamant, voici le diamant. Ah oui, donnez-moi tiens, tout. La ouais, de l'or, attends, une seconde, j'ai mis un coffre. Et là, t'as du fer, allez, vas-y, fais péter. Attends, je vais poser tout ça. Tu nous fais, les gars, on va pas faire 3 boussoles, ça sert à rien, on va claquer trop de ressources pour rien. Ouais, non, c'est une boussole. Je regarderai même pas, moi, je regarderai même pas. Vas-y, fais-en. Ah, j'ai 8 flèches, y'a des flèches, qui veut la jouer archer? J'ai des flèches. Moi. Et ben, vas-y. Ouais, moi aussi, je veux bien, j'avoue. Alors, attendez, niquez-vous, laissez-moi faire mon œuvre. Je sais toujours pas où vous êtes parti. Ok. Tac. Check, tu peux voir nos pseudos à travers bien, je pense. Trouve Dwagby. Trop loin. Ok, les gars, quand on sort dit. Alors, j'aimerais, les gars, qu'on ait tous une épée quand même en or. Qui a pris le lapis lazuli? Pardon. Tiens. Donne-moi de la pile lazuli, jette. Fais une boussole et deux épées en or, s'il te plaît, Bob. Pour Dwag et moi. Deux. Attends, non, elle est mieux que l'épée en fer ou pas, l'or? Oui, logiquement. Ouais, l'épée en or est mieux, ouais. L'épée en or fait plus de dégâts, mais moins endurante. Mais l'épée en diamant, on est trop cons! Mais on est des débiles aussi! On a pas assez de diamants, je crois, si. Mais si, j'ai 10 diamants, là, c'est parti. Allez, alors, 3 épées en diamants. Deux épées en diamant. Et ensuite, tu nous finis nos équipements en fer, fais les têtes. Oh, trop bien, merci beaucoup. Okay. Fais les têtes pour le. J'ai un fast-food qui vient d'arriver, je suis au paradis, sachez-le. Pendant que tu craves, je mange un peu. Et donc, il nous faut aussi l'épée de. Regarde, squeeze, je te régale, t'es prêt, je te régale. Hop, ouais. C'est la régalade ça. Alors, ensuite, tu m'as dit des armures. Il nous faut des têtes en fer, oui, tout de suite, monsieur. Putain, 1, 2. Et 3, mets-les dans le coffre. Et enfin, comment on fait un bouclier? Alors, si je me souviens, c'est un truc de bois comme ça. Et non, c'est pas ça. Donc, ça doit être juste. Non, mais je t'avais pas normal. Dit une pioche en diamant, je t'avais dit une épée en diamant, frérot. Mais je les ai fait aussi, mais je les ai récupérés avec les casques qui sont devant là. Ok, c'est pas grave. Tant que t'as plus de faire, c'est pas grave. Vas-y, prends tout et mets dans les coffres. Il faut qu'on retrouve Dwagby là, c'est pas possible. C'est bon, j'arrive vers vous. Dieu merci. Je suis à 40 cases de vous. Fait une pression. Y'a pas de bouclier dans cette version, il croit Chito Simpson. Ah merde, tant pis alors. On fait 100, voilà les casques, tout posé, j'ai un casque, c'est mis. Oh, on est équipé! Désolé, je mange en même temps, j'ai été livré très en retard. Vas-y, on s'en bat les couilles. Impeccable! Alors, il faut absolument retirer cette flotte là qui nous baise. Comment je peux t'aider avec ce niveau ça? C'est pas grave. Oh. Tiens, vas-y, Dwagby. Il y a du lapis lazuli là si tu veux. Non, mais c'est pas grave, on en a déjà plein. Vas-y, Dwagby, vide alors... ton eau là sur cette lave, dans ce coin là. Louis, tu peux me TP s'il te plaît sur. Sur Bob, j'ai une déco, je sais pas pourquoi. J'ai vraiment mon jeu qui est pété. Moi, je te vois qu'elle a. C'est pour ça. Dwag, maintenant que t'as vidé cette eau. Non, revide cette lave, jette cette lave. J'ai un écran noir, je vois rien, putain de merde. Jette-la n'importe où, Dwag. Si tu peux m'aider, voilà, Louis, je suis hyper chaud. Maintenant, remonte la source et trouve un cube, le cube originel. Monte. Ah, c'est bon, bien joué. C'est bon, okay, je suis là, merci pour l'arco. Ensuite, Dwag, quand tu auras récupéré cette flotte, retourne au coffre, prends ton casque et prends ton épée en diams. On est équipé là maintenant, on a tout ce qu'il faut.
Pensez à prendre un arc et des flèches aussi. Il y a un arc et des flèches, pas beaucoup. Attends, mais c'est un peu. C'est... Je peux. Attends, vous me voyez, tu me vois ou pas, Bob, devant toi là? Oui, je te vois, tu bouges, tu joues, t'existes. Oh, il est mort par un zombie qui... Je peux plus interagir avec les coffres, genre je peux pas faire de clic droit sur le... Eh ben, c'est pas grave, je vais te filer le matos, je vais te filer le matos. Trop chaud, trop chaud, trop chaud. Arrête de t'exciter, tiens, regarde, voilà. Une épée en diam, si tu voulais. Ah, mais attends, en fait, non, ok, vous êtes immobile. Attends, vous êtes... Mais c'est bon, t'as tout récupéré. Ah, mais t'es déco. Ah, mais fais pas en sorte que ce soit perdu. Bon, on a de quoi le refaire, mais je te dis, vas-y. Mais m'agresse pas, j'ai déjà des problèmes techniques, putain. Putain, pourquoi t'as des problèmes techniques? T'es à Paris, putain. Je suis dans un monde qui est... Doig, t'es prêt? J'ai juste pris un casque et une épée, hein, c'est ça. Super, hein. Et t'as une boussole maintenant. Prépare-toi à être émerveillé. Je relance le jeu, les gens, on va s'en sortir. S'il vous plaît, on va s'en sortir. Boussole aussi. Pitié, on s'en sort, j'en ai marre des bugs de Minecraft, c'est fou. Merde, non, je veux la manger cette cobble. Pitié, ça marche. Pitié. Oh, putain, bah, sinon on est seul avec Doig, hein. Et c'est la panique. Je suis dans un monde qui est freeze. Le timer il est bloqué, tout est bloqué, je suis dans un monde qui est freeze. Ah là là, il est... Mais ça va, no. Je vous vois, vous êtes immobile et je peux rien faire. Je suis ah, il est en mode Tokyo, ah, Tomé. Ouais, il en peut plus. Je suis exclu du temps. Louitos, t'as un truc à me dire sur ça? Comment on fait, frérot? Help me. I'm in deep shit. Bon, Doigby. Ouais. Est-ce que tu t'es équipé de la boussole? Ainsi que toi, ton épée et ton arc et ta flèche prête en main. Ouais. Très bien, alors suis-moi. Non, mais arrête de poser de la cobble, on s'en bat les couilles, viens. Ok. Très bien. Suis-moi. Il nous rejoindra quand il nous rejoindra. Là, on est équipé. Je veux pas dire, mais ça, c'est fini le, de creuser comme des débilus à l'infini pour la beauté du fion. Ouais, c'est bien. Non, mais là, les gars, il faut aller commencer à choper la Triforce grâce à la boussole, en vrai. Si je peux vous coacher pendant que je mange, vas-y. Hein. Ouais. Moi, je suis bien là. Franchement, je suis ready maintenant pour fight. Je suis en train de regarder. Il nous faut 200 et moins 200 en coordonnées. On pourrait rencontrer Ganondorf et récupérer le masque Majora, ce qui serait qualitatif. Il faut qu'on sorte de là, Doig. Donc, on va creuser. Oui. Et vu que j'ai une pioche en diamant, ça va creuser vite. T'inquiète. Donc suis-moi et pose des torches. C'est vraiment que vous trouviez une Triforce. Le masque, on s'en bat les couilles, en fait. Ok. Suis-moi et... T'as bien vu que l'arbre, on l'a fait sans masque et c'était pas du tout dur. Ouais, c'est vrai. Et maintenant, en plus, on a l'épée divine. Là, on va tout fumer. C'est jusque là. Ouais, tu remontes tes barres de vie. Non, mais arrête d'avancer à mon niveau, sinon je creuse pas, en fait. Ça te bloque? Ouais, ça me bloque. Mais juste des pioches. Bon, Chito, c'est sur la résolution de ce blème, les gens. Je veux juste voir si je bouge et que je me recouse, si ça me remet au même endroit ou pas. Super. Ah, mais attends. Je commençais à plus rien y voir. Falloir qu'on enchante après, ouais. Mais je sais pas comment on fait pour enchanter, j'ai oublié. Enchante, Bob, il a un livre. Il a un livre. Comment on fait pour enchanter? Est-ce qu'on prend un livre et on l'entoure de la pile azulie? J'ai oublié. Normalement, t'as l'enchanted book et logiquement, t'es pas censé le mettre avec ton arme. Non, il y a un truc comme ça. 4 obsidiennes qu'on me dit. Il faut de l'obsidienne. Une obsidienne. Il faut de l'obsidienne. Redescends. Ah, je te vois, Squeeze. Tu t'es téléporté, mais t'as bougé là. De l'obsidienne. Ah ouais? Oui, l'obsidienne, c'est là où il y a la lave, là où t'as balancé ta flotte. Tu te souviens? Trop mignon. On le voit, il se déplace, il a sa petite tête partout. Là, j'ai des problèmes techniques. Je suis deg. Je sais pas ce qui se passe. Peut-être c'est un gars qui a zéro life et qui me dédoche. Je sais pas ce qui se passe. Ah, deg. Non, c'est on entendrait son vocal. C'est quoi de l'obsidienne? Ça ressemble à quoi? C'est de la lave qui a été condensée avec de la flotte au fur et à mesure des années. Ça ne se mine qu'avec une pioche en diamant, ce que je suis en train de faire. C'est ça, là, ce qui est au sol, là. Ouais, okay. Ouais, je suis en train de taper dedans. Ça prend beaucoup de temps, c'est un des matériels les plus résistants de Minecraft. Ok, Louis me dit que... Apparemment, c'est le serveur, genre, il n'y a que Louis et moi qui vivons ça. Il n'y a que la Squeeze Industries qui est touchée par cette attaque. Doigby. Merde, putain. Sa saleté de bordel de lave, de merde, de mes couilles. Ah putain, bon, c'est pas grave. Doigby, les gars, je récapitule, vous trouvez une Triforce là. Ouais. Et vous la récupérez. Parce que je te rappelle que si une équipe a 3 Triforce, elle va win. Et oubliez pas de vous faire une armure, la meilleure que vous pouvez, peut-être en or. On y croyable travail, mais j'étais en train de lire un truc sur le chat et tu l'as fait défiler et maintenant je sais plus. Redites où se trouvent les objets, les enfants. Doigby, souviens-toi. 1, 2, 3, 5. Les gars. 1, 2, 3, 5. Je vous vois bouger. Les gars, Non, je suis de retour. T'es de retour? Suis les torches. Bonjour. Suis les torches. Retrouvé. Arrête de te toucher à nous et viens creuser avec ta mine en diamant. Avec ta pioche en diamant, creuse. Pardon, mais pourquoi? Creuse un obsidienne. Parce qu'il nous en faut pour enchanter des bilus. Fais-moi confiance, discute pas.
J'ai l'épée divine, tu m'as dit que c'était moi le chef, maintenant t'assumes. Ok, c'est un très bon argument. Écoute, je creuse et pendant toi, je vais manger. Il nous faut la. Kinstar. Où ça Kenny est mort des lags, donc il le revive apparemment. Ouais, où ouais, ça, Kinstar. Il arrive. J'ai vu son pseudo là. Non, je rigole, je voulais voir vos réactions. Mais oh, fils de pute. Mais je viens de remarquer que toi, t'as été très lent, Squeezie. Hein. Bob, il a été instant dedans. J'étais mort à cause des lags et on me demandait s'il y avait possibilité de le raise. Évidemment. Ok. Non, mais c'était pour tester la réactivité de cette équipe. Ok, est-ce qu'on peut faire une armure en diamant ou c'est trop demandé? Ou une armure en or ou un truc ou qui fait qu'on est bien stuffé? Alors, attendez. On sort de cette grotte que quand on est stuffé et ensuite tu vas checker avec ta boussole quelle triforce bouge et si on a au moins une qui ne bouge pas, ça veut dire qu'elle n'a pas été chopée, donc on fonce vers elle. Si les trois bougent, on fonce vers le temple à laquelle les trois triforces doivent être amenées et on tente. Donnez-moi des diamants. J'ai plus de diamants. On a plus de diamants. J'ai pas de diamants. On a pas de diams. J'ai claqué des diams. Je te donne le. Non, il faut du diams. Il faut qu'on trouve du diams si on veut enchanter. Vas-y, bah je vais chercher du diams. Continuons à trouver du diamant. J'ai toujours pas l'épée en diamant par contre que tu m'as promise, donc je suis plutôt déçu. Ah mais je te l'avais donné juste avant que tu déco. Par contre, je peux pas farmer du diamant avec une pioche en. On l'a perdu. Je l'ai, j'ai rêvé. Recule. Je prends de l'or aussi, on ferait une armure en or, c'est mieux qu'une armure en fer, je crois quand même. C'est moins